Dans une nuit de lune rouge, face aux démons, le héros était au sol. À ses côtés, une mer de cadavres. Le démon se devait de concéder que son adversaire était digne du titre d'empereur de l'épée. Cependant, ce titre prendra fin aujourd'hui. L'homme, aux portes de la mort, était heureux. Son objectif accompli, il n'avait plus qu'à mourir. Son coup, il ne l'évita pas. Dans un tonnerre d'énergie, le démon était vainqueur. Quoique, l'empereur de l'épée venait d'être sauvé. S'excusant du retard, il s'en occupe. D'un coup, un saut. L'empereur avait encore un espoir. Le démon ne comprenait pas comment son coup avait pu être paré. Qui est cette personne? Il est prêt à annihiler la fée lunaire. Voici l'épéiste trancheur de lune, Yeon. Une incroyable technique venait d'être lancée, laquelle avait matérialisé un imposant dragon écarlate. La fée hurlait à la mort, brûlant dans le feu de la créature céleste. Ce jour, les cieux venaient de s'illuminer de 9 brins d'énergie d'épée. 6 ans plus tard, au manoir Waryong, un jeune garçon était vilainement malmené. La femme était dans une colère noire. Qu'il arrête d'être faible et qu'il se relève immédiatement. Elle lui avait pourtant dit qu'un violent coup de vent passerait sur le manoir. Alors pourquoi avait-il ignoré ses instructions? Pourquoi n'avait-il pas nettoyé avec plus de soin la cour arrière? Tremblotant, le garçon essaye tant bien que mal de s'excuser en faisant basse figure, mais son calvaire n'est pas terminé. Avait-il ignoré la consigne parce qu'elle n'est pas sa mère biologique? Il lui assure que non, mais celle-ci continue. Si cet ordre avait été donné par sa mère, qu'il a abandonné à sa naissance. L'aurait-il ignoré là aussi? Toujours pas. Alors qu'en aurait-il de son père, lequel est enfermé depuis 6 ans? La même réponse. Et celle-ci, ce nom tremblant, avait le don d'exacerber le courroux de la femme. Dans ce cas, était-il en train de se rebeller contre elle? Le giflant de multiples reprises, elle lui hurle dessus qu'elle va lui donner une bonne leçon. Ce qui a pour effet de bien faire rire 2 jeunes autres enfants. Ils sont 2 à rire. L'enfant battu ressemble à une tortue. Il n'est même pas capable de relever la tête. Ça ne faisait pas rire tout le monde. Un convoi se dirigeait vers le manoir Waryong. Ils venaient rendre visite aux frères d'armes de leur père. Il manquait toutefois quelqu'un à l'appel. Nangong Yeon. Laquelle était montée au-dessus du chariot, se sentant lourde. La femme lui hurle de descendre. Si elle tombe, elle va se faire mal. Mais on la rassure. Ça n'est rien de neuf, après tout. Et puis, avec son niveau d'arts martiaux, il n'y a pas grand-chose à craindre. L'empereur de l'épée était questionné avec engouement sur son frère d'armes, Yeon. Était-il réellement fort au point qu'ils doivent reconnaître sa puissance? Ah, fort, oui, il est. Il relate les événements d'il y a 6 ans. Ce jour, il a vu la plus belle manifestation de l'art de l'épée. Sans lui, il aurait trépassé. Sa technique de l'épée des 9 cieux rivalise sans aucun doute avec les plus puissantes techniques du clan Nangong. Son fils était sidéré. Comment se fait-il que ses arts martiaux ne soient pas connus du reste du monde? Tout simplement parce qu'il s'est retiré de ce dernier et qu'il ne l'a transmis à personne. La raison est tragique. Il avait 2 femmes. Malheureusement pour la première, il était fou amoureux de l'autre. Mais celle-ci succomba il y a 6 ans après avoir donné naissance à son fils. Il perdit ainsi tout goût à la vie et s'enferma dans la chambre de sa seconde femme. La raison de la venue du clan Nangong est pour entre autres le sortir de là. Mais il est crucial que personne ne parle de sa seconde femme. Il vaut mieux prétendre ne rien savoir. Un serviteur de la seconde femme se dirigeait vers elle à grandes enjambées. Yeon était sorti de sa chambre. Son regard était vide. Mais elle demanda confirmation. C'est bien le cas! Il est sorti après avoir entendu qu'un convoi du clan Nangong se dirige au manoir et s'apprête à les recevoir. La main en sang après avoir battu l'enfant, l'épouse fulmine. Il n'est jamais sorti même après qu'elle ait tout fait pour lui. Il va recevoir son frère d'armes après avoir abandonné sa chair et son sang 6 ans durant. L'enfant battu allait enfin voir son père. Quoique, il n'allait quand même pas le laisser le voir dans cet état. Le garçon avait compris le sous-texte. Il lui dit qu'il fera en sorte de ne pas être vu. La femme est satisfaite de sa réponse. Il comprend enfin comment les choses fonctionnent ici. S'il ne veut pas apporter la honte sur leur famille, il a intérêt à ne pas se montrer. Finalement, elle lui dit qu'il sait ce qui se passera s'il se laisse aller, sachant qu'elle ne le surveillera pas. Le garçon, toujours aussi tremblant, acquiesce et lui dit qu'il réfléchira sur ses propres actions. Les chemins de la famille se séparent. Là où la femme et ses enfants partent rencontrer le clan Nangong, le fils de la première épouse part misérablement se cacher. Cette scène ne semble pas au goût de tout le monde. Cet enfant s'appelle Mubaek. Sa mère lui confie qu'il a une tâche très importante aujourd'hui. Il va rencontrer la fille du frère d'armes de son père, Nangong Yeon.
Il doit impérativement la traiter gentiment et avec respect. Sa mère lui explique que c'est crucial pour l'avenir de la famille. Stoïque, Mubaek lui confirme qu'il comprend et qu'il fera ce qu'elle lui a dit. Le convoi venait d'arriver et les présentations se firent. L'épouse du chef du clan Nangong et son fils se présentèrent, mais... il manquait Nangong Yeon, sa fille. Elle avait encore disparu. Le maître du manoir Waryong leur assure que ça n'est pas grave. Elle est en âge après tout. Celui-ci venait d'être rejoint par sa première épouse, laquelle dit en rigolant que leur quatrième fils est également du genre à se cacher. Elle invite son mari à la présenter, elle et ses enfants, ce qu'il fait. Baek Mijo, sa femme. Celle-ci invite leurs invités, lesquels doivent être épuisés d'un si long voyage à entrer. Alors que les invités entrent, la femme indique à son fils, Mubaek, qu'il doit partir à la recherche de Nangong Yeon et lui laisser la meilleure des impressions. Et il s'en occupe. De son côté, le quatrième fils se tenait bien à l'écart du monde. Seul, il reflétait sur le temps qu'il allait devoir passer dans cette position. Ses bras lui font mal. Il a faim. La fatigue s'empare de son corps. Il ne doit pas fermer les yeux. S'il tombe, le cours de sa mère s'abattra sur lui. C'est trop tard. Le sommeil avait pris le dessus sur la peur. Il gisait faiblement à l'arrière du manoir. Seul, il était misérable. Des bruits de pas. Quelqu'un venait en courant dans sa direction et s'arrêta devant lui. Ces bruits venaient de l'extirper de son sommeil, et dès que sa lucidité revint, il savait ce qu'il attendait. Il se reprit aussi vite que possible en s'excusant. Il admet qu'il s'est assoupi sans s'en rendre compte, mais s'excuse de toutes ses forces. Mais au fond, il sait qu'il a fait quelque chose d'idiot. Il a remis sa mère en colère. Elle ne lui pardonnera pas cette fois. Mais alors qu'il relève la tête, il est pris par le choc. Cette personne, ça n'est pas elle. Il reste sans voix face à celle qui se tient en silence face à lui. La surprise était tout autant de mise au sein du manoir. Le chef du clan Nongang venait de proposer un mariage à la famille de son frère d'armes. Cependant, celui-ci contraste avec son épouse et reste silencieux face à la proposition. Éventuellement, il répond en disant qu'il préférait que ses enfants aient leur mot à dire dans leur mariage. Il faut bien concéder que cette réponse n'est pas insensée. De plus, les parents ne devraient pas être seuls à dicter le mariage de leurs enfants. Ultimement, leur vie ne leur appartient pas. Son épouse fulmine. Ce discours revient à dire qu'il regrette de l'avoir épousée par commodité. Comment ose-t-il prononcer ces mots alors qu'elles se démènent pour tenir leur famille seule? Elle contre-attaque en évoquant la possibilité que leurs enfants s'apprécient mutuellement une fois les rencontres faites. Elle profite de la bonne ambiance pour demander avec politesse si elle peut faire une requête au clan Nongang. Qu'elle parle librement. Dans ce cas, elle apprécierait que le clan Nongang enseigne à son fils Mubaek. De l'autre côté, c'est la surprise. Le clan Yeon a pourtant ses propres techniques. Et puis, ce n'est pas quelque chose duquel l'empereur de l'épée peut décider seul. Certes, mais son frère d'armes le lui demande également. Ce n'est pas une gêne pour le clan Nongong et il apprécierait de l'aide. Ces mots, il les prononça d'un air misérable. Son ami était déconcerté par une telle vision. Toutefois, il ne peut dire non, mais est-ce bien ce qu'il veut? Son aîné n'hériterait donc pas de sa technique de l'épée des neuf cieux? Le vieux chef du clan Yeon lui confie que leur art n'est pas aussi difficile que celui du clan Nongong. De toute façon, il est certain que Mubaek a déjà mémorisé la technique de l'épée des neuf cieux. De l'autre côté, on ne croit pas à de tels propos. Il l'a vu utiliser sa technique avancée il y a 6 ans. Comment peut-il dire ça? Mais Yeon est sérieux. De plus, dans son état, il est incapable de transmettre sa technique. Pour ce qui est des détails, il les lui donnera en privé. De fait, quand il retournera dans les montagnes de Huidang, sa phrase... il ne put la finir. Une violente toux se prit du faible homme. Son ami lui demande si ça va, mais elle a vu du sang qui s'échappe de sa toux. Il hurle d'amener un médecin ici le plus vite possible. Yeon était aux portes de la mort. De son côté, Mubaek cherchait toujours Nangong Yeon. Alors qu'il se dirigeait vers la cour arrière du manoir, il entendit du bruit. L'aîné du clan Nangong discute joyeusement avec la fille du clan Yeon. Elle lui demande s'il a réellement tué son némésis. Il est surpris par sa question et lui demande qui lui a raconté ça. La fille lui dit qu'elle a tout lu dans le roman de l'épée du nuage d'azur. Si c'est bel et bien son surnom, disons que cette partie du roman était un peu... fantasmée. Mubaek les avait surpris dans leur conversation. Il hurle à sa sœur, Seoljo, d'arrêter d'ennuyer un invité comme ça et s'excuse de sa part. Mais il lui répond qu'elle ne l'ennuie pas et lui demande son nom. Il est Yeon Mubaek. De son côté, la jeune fille dit à leur invité de ne surtout pas oublier son nom. Elle est Seoljo. Il ne doit pas oublier. Mais Mubaek lui dit d'arrêter d'être rude avec un invité, ce à quoi elle répond qu'elle est tout à fait polie avec et qu'il ferait mieux d'arrêter de l'embêter elle.
Les deux se disputent violemment devant leur invité, définitivement gêné par la situation, mais aussi quelque peu amusé. À la vue d'un tel spectacle, il ne peut que souhaiter que sa sœur Nangon Gion soit, à cette image, un peu plus joyeuse. Éventuellement, Mubaek réalise qu'ils sont en train de livrer un terrible spectacle à leur invité et s'excuse alors aussi platement que possible en entraînant sa sœur avec lui. Mais ce dernier leur dit que ce n'est pas une mauvaise chose qu'elle soit si pleine d'entrain. Mubaek profite quand même d'avoir croisé l'aîné de Yeon et lui demande s'il a une idée d'où elle pourrait bien être. Il cherche à nouer de bonnes relations avec. Celui-ci lui répond qu'il n'en a pas la moindre idée et qu'il la cherche également. Mais il apprécierait volontiers qu'il fasse ami-ami avec sa sœur. Ils n'ont qu'à la chercher ensemble. Dans ce cas, ils pourraient faire les présentations. Seoljo s'exclame. Est-ce vrai qu'elle est muette? Son frère est quelque peu gêné. Ça n'est pas qu'elle ne peut pas parler, plus qu'elle est, disons, un peu malade dans son cœur. Celle-ci est avec le quatrième fils du clan Yeon. Ce dernier était subjugué par la beauté de la jeune fille. Toutefois, il venait de réaliser quelque chose. Sa mère avait parlé d'invités de marque qui leur rendaient visite. À la vue des vêtements de la jeune fille, elle doit être quelqu'un d'important. Sa mère lui avait pourtant dit de ne pas être vue par les invités. Que doit-il faire? Elle va le punir, alors que doit-il faire? La fuite! C'est la fuite qu'il a choisie, mais... Il est retenu par la jeune fille. Il s'effondre sur le sol et s'excuse face au regard froid de cette dernière. Son jeune corps accuse déjà les blessures. Allongé misérablement, il continue de s'excuser. La jeune fille se questionnait sur le sens de ses excuses. Il semble qu'il n'ait jamais appris d'art martial. Ses blessures recouvrant son corps ne sont pas la cause d'un entraînement. Également, il a l'air malnutri. Elle remarque à ses cheveux rouges qu'il doit être l'un des enfants de l'épée et ce trancheur de lune, mais il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi a-t-il si peur? La jeune fille s'assoit à ses côtés. Le garçon n'a que trois mots à la bouche. Il est désolé. Il est absolument terrifié. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Que va-t-il lui arriver? Elle a compris. Il n'a jamais été traité convenablement. Lui ayant passé sa main dans ses cheveux, elle sort de son mutisme et lui demande quel est son nom. Il s'appelle Jeoka. Yeon Jeoka. La jeune fille répète doucement son nom alors que Jeoka ne sait toujours pas ce qui lui arrive. Enfin, elle lui dit que désormais, elle le protégera. À ces mots, il reste silencieux avant qu'il ne laisse échapper une larme. La jeune fille ne sait comment réagir. Celui-ci s'effondre en larmes. Face à ce triste spectacle et sans dire mot, elle le prit dans ses bras pour le réconforter. Malgré les apparences, elle ne pouvait rester de marbre face au malheur de Jeoka. Elle lui tend sa main. Les larmes toujours à l'œil, il la lui prend en tremblant. Les deux prirent alors la fuite en silence. Derrière les buissons, un trou dans le mur. Jeoka était complètement perdue, mais la fille le rassure à travers un regard tendre. Lui tenant toujours la main, elle se baisse en direction du trou et passe par ce dernier. Une fois sortie, elle tend sa main à Jeoka, lequel, n'hésitant plus, la rejoint. Il venait de fuir son enfer. Cela faisait un moment déjà qu'il courait main dans la main. Le manoir était déjà loin alors qu'il traversait la ville. C'était un spectacle que Jeoka n'avait jamais vu. L'odeur des stands de nourriture le faisait saliver. Elle l'avait bien remarqué, comme on a trois brochettes au gérant. Cette tendresse, Jeoka n'y avait jamais goûté. Il ne prit pas son reste pour se délecter des brochettes, lesquelles il dévora. Il était toujours assez gêné de la situation, mais la fille semblait heureuse. Le soir était paisible. Soudain, des bruits d'épée. Ils se dirigeaient vers nos deux protagonistes. Ceux-ci faisaient face à des colosses armés. Jeoka en tremblait, mais la fille lui tenait toujours sereinement la main. Au manoir, le chef du clan Yeon est alité. Son ami et frère d'armes, le chef du clan Nangong, est à ses côtés. Le premier lui demande s'il l'a inquiété. Pour sûr? Comment l'épéiste trancheur de lune pourrait être dans un tel état? Celui-ci cache difficilement son embarras. Il ne pouvait même pas s'empêcher de faire un malaise. Son ami lui dit de se concentrer sur sa guérison, rien d'autre. Il doit guérir autant pour son bien-être que pour celui de son clan et de ses enfants. Dans son faible état et étant seul à seul avec son ami, il lui explique que sa technique se transmet à travers Jiutan Xuanu, la déesse de la guerre, du sexe, de la longévité. Il n'arrive toutefois plus à rien voir de la dite déesse. Il est certain que c'est dû à son pathétique état. Le jour où elle l'a quitté, ce même jour, Yeon Muryong est mort. Le jour du décès de sa femme, elle a laissé un enfant lui ressemblant énormément. Néanmoins, il s'est refusé de rencontrer le dit enfant. Involontairement, une haine envers ce dernier est née dans son esprit. Il sait bien que la mort de sa femme n'est en rien sa faute et pourtant, il est bien lamentable comme homme. Son ami lui répond qu'il peut s'abstenir de ce genre de paroles. Ce n'est pas son genre d'être aussi faible. Le pauvre maître de maison se redresse et demande une dernière faveur. Il sait bien que c'est beaucoup en demander, mais il espère sincèrement que le clan Nangong puisse s'occuper de ses enfants. La réponse
réponse ne tarde pas. Qu'il arrête de dire des choses comme ça. Mais la réalité est que ses enfants n'ont pu grandir avec leur père. C'est ainsi sa première et dernière requête. Dans ce cas, c'est d'accord. À l'entrée du manoir, les deux épouses sont inquiètes. Nangong Yeon est toujours introuvable. Toutefois, la voici à l'instant de retour avec les soldats qui étaient à sa recherche. Si sa mère se précipite vers elle, l'épouse Yeon remarque avec dégoût que Jeoka est avec elle. La mère de Nangong Yeon demande à sa fille si elle va bien, mais remarque Jeoka qu'elle tient par la main et demande qui est ce garçon. La première épouse du clan Yeon se rue alors vers Jeoka et joue une bien triste comédie pour ne pas perdre la face. Comment se fait-il qu'il est dans un tel état? Elle est si triste de le voir comme ça. Elle se retourne alors vers Nangong Yeon, laquelle elle remercie infiniment de l'avoir retrouvée. Mais elle est gratifiée d'un regard traduisant une haine des plus pures. Le petit comité de l'aîné de Nangong Yeon, accompagné de Seoljo et Mubaek, venait de les rejoindre. Son grand frère est rassuré. Il s'imaginait qu'elle avait un corps grimpé sur un toit. Mais il voit avec surprise qu'elle tient la main du quatrième fils. Le regard de Mubaek croit à celui de la jeune fille, ce qui le fit rougir. Mais lorsqu'il vit qu'elle tient la main du benjamin de la famille, il en resta silencieux. L'épouse Nangong propose à sa contrepartie du clan Yeon de rentrer pour que les enfants puissent se reposer. Ces derniers sont ainsi séparés. Yeon Nangong regarde toujours avec dédain la belle-mère de Jeoka. Celle-ci leur dit qu'ils le rejoindront dans un instant. Jeoka tremble comme jamais alors que sa mère lui rappelle qu'elle lui avait demandé de se cacher. Elle lui demande s'il a envie de faire savoir au monde que sa mère est en réalité sa belle-mère. Le jeune garçon s'excuse comme il en a l'habitude. Mais la colère de sa belle-mère était surtout dirigée à l'encontre de Yeon Nangong. De quel droit ose-t-elle la regarder de la sorte? Le 7e mois de l'année, Yeon Muryong mourut dans son sommeil. Une fois décédé, Baek Mi-jo fait venir 21 guerriers du clan Yeon pour combler son absence. Ces soldats devinrent la brigade du Tigre Blanc du manoir Waryong. Mubaek était quant à lui parti s'entraîner au clan Nangong. Cela laissa à Baek Mi-jo la tête du manoir Waryong. Dans l'annexe de son défunt mari, elle enrageait. Elle fouillait comme une furie le bâtiment quand un soldat vint à sa rencontre. Elle était passablement agacée, lui demande s'il l'a trouvé. Mais celui-ci lui dit que même en ayant fouillé l'entièreté du manoir, le défunt maître n'a pas laissé le moindre manuel d'art martial derrière lui. Elle explose. Elle est pourtant persuadée qu'il avait parlé de quelque chose à propos d'une technique avancée. Le soldat s'excuse platement face à la colère de sa maîtresse. Elle lui hurle de déplacer tout ce qui est plus ou moins lié à Yeon Muryong dans la réserve. Elle ne veut plus en voir la moindre trace. Le soldat lui dit que ça sera fait sur le champ et ordonne à ses hommes de suivre les ordres de madame. Mais celle-ci l'interrompt. Une fois que ça sera bon pour les objets, qu'ils foutent le gosse dedans aussi. Le soldat grimace. Il n'a pas le choix. En retrait du manoir, il suppliait qu'on l'épargne. Il sait qu'il avait tort, quoi qu'il ait fait, mais qu'on le libère, par pitié! Jeoka est balancé sur le sol de la réserve. Le soldat lui explique que ceci sera sa chambre désormais. Mais qu'il ne se trompe pas, il ne fait pas ça par plaisir. Il doit suivre les ordres, sinon ça sera fini pour lui. Jeoka le supplie de l'aider. Mais le soldat lui avoue qu'il peut dire ce qu'il veut. Il ne peut rien faire pour lui. De plus, il est avec les affaires de son père. Il peut considérer ça comme une manière d'honorer sa mort. Les supplices de Jeoka n'auront eu aucun effet. Il est laissé seul dans la réserve. Laquelle le terrifie. Des bruits se font entendre de partout dans la vieille bâtisse. Il est terriblement seul. Combien de temps va-t-il rester ici? Un jour avait passé depuis son incarcération dans la prison des Labrés. Il dormait paisiblement sur le dur plancher quand il est réveillé par un bruit. On vient de lui apporter un petit déjeuner, du pain rassis et de l'eau. Affamé, le garçon se dirige vers le plateau repas. Commence à manger, mais la nourriture est infecte. Soudain, il perçoit une lueur bleue au fond de la réserve. Quelque chose a brillé. Il pose le pain et se dirige vers la chose. La lumière du jour rend l'exploration bien moins angoissante. Il déplace ainsi une planche, laquelle cachait un magnifique miroir. Celui-ci est toutefois couvert d'une épaisse couche de poussière qui l'empêche de voir son reflet. Il s'attelle donc à le nettoyer comme il peut. Une fois face à son reflet, il remarque à haute voix que lui aussi a été abandonné. Mais son reflet ne suit pas ses mouvements. Plus terrifiant encore, il lui sourit. Jeoka est absolument terrorisé par ce miroir et hurle à l'aide, mais le soldat gardant la réserve ne l'entend pas. C'est un ciel d'hiver. Deux soldats discutent paisiblement en dehors du cabanon. Enfin, ils se les gèlent. Ça fait 2 mois que le gamin est enfermé. L'un des soldats demande à son comparse s'il est encore en vie. Avec le froid, ça va être très rude pour lui. Ça se trouve, il en est déjà mort. Mais l'autre lui assure qu'il est vivant. Il tient pour preuve qu'il crie tous les temps en temps, mais également que la nourriture qu'il lui laisse disparaît à chaque fois. Le guerrier à la barbe se doit de concéder qu'il a bien le sang d'un artiste martial. Contrairement à Jeoka, lui aurait déjà succombé à ce froid. Pour sûr, ce gamin est un vrai dur.
Son collègue lui signale que de toute manière, c'en sera bientôt fini. Il suffit de voir à quel point ses rations ont été diminuées. Bientôt, ils iront récupérer son corps inerte. Alors qu'il résistait tant bien que mal au froid, son reflet s'amuse à lui faire des signes dans le miroir. Jyoka lui signale que ça fait déjà un bon moment qu'il n'a plus peur de lui et que ça ne sert à rien d'essayer de le distraire. À vrai dire, c'est plus qu'il n'a plus la force d'avoir peur. Il est plutôt à un doigt de mourir de froid. Le reflet a l'air dépité. Puis, pousse un soupir, prend un bâton et commence à l'agiter. Jyoka ne comprenait rien à ce que cette chose faisait. Pourquoi s'était-il mis à danser? Mais de toute manière, ça ne le regarde pas. Il était plutôt surpris au début, mais ça n'était pas comme s'il pouvait sortir du miroir, donc au fond, il n'y a rien à craindre. Sa logique est la suivante. S'il réagit de la sorte, c'est parce que Jyoka ne lui prête aucune attention. Et puis, un coup, un deuxième. À y regarder de plus près, ses mouvements ont un air familier. Ça ressemble à l'art des neuf cieux. Il s'en rappelle désormais. Il regardait parfois ses frères s'entraîner. Plus de doute possible, c'est l'art des neuf cieux. Mais comment peut-il le connaître? Il se remémore l'enseignement de ses frères. Par la maîtrise de l'art des neuf cieux, l'artiste peut transformer son énergie vitale en énergie yang. Créer et maintenir cette énergie est la première étape vers l'art des neuf cieux. C'est bien ça. S'il s'en rappelle correctement, son frère était bien capable de créer de l'air chaud, et ce même en plein hiver. Le reflet était surpris, puis perplexe. Jyoka s'était mis à suivre ses mouvements. Le reflet était on ne peut plus dubitatif, mais Jyoka lui dit de ne pas prêter attention à lui. Après tout, il ne l'imite pas pour le plaisir. De toute manière, à ce rythme, il va y rester. Il n'a guère d'autre choix que de le copier. Si ses mouvements sont bien ceux des arts des neuf cieux, il pourrait être en mesure de survivre au froid. Sauf que ça n'est pas aussi simple que ça. Le reflet se riait bien de la chute de son doppelganger, lequel était particulièrement énervé à ce propos. Le froid de l'hiver se faisait toujours aussi rude, mais Jyoka continuait de s'entraîner au mouvement du reflet du miroir. Celui-ci le regardait sans bouger. Son air indiquait qu'il était plutôt mitigé face à ce qu'il voyait. Épuisé, il avait réussi. Jyoka ne ressentait plus le froid. Au fur et à mesure qu'il suit les mouvements de l'air chaud et créé. Et du moment qu'il arrive à maintenir l'énergie, il pourra survivre un jour de plus. Alors qu'il se concentrait à maintenir l'énergie yang qu'il avait créée, le reflet s'énerve. Tenant son bâton, il déploie une énergie phénoménale, mais Jyoka lui explique qu'il n'a pas besoin d'aller jusque-là. De plus, son intention n'était pas de suivre ses mouvements à la lettre, mais juste de se réchauffer. En d'autres termes, il n'a plus besoin de continuer à souffrir, ni de le regarder faire le pitre. Comme il n'a guère plus d'intérêt pour ces choses, il pourrait même retourner le miroir. Mais le reflet s'agite comme jamais auparavant. Il exécute un mouvement sublime, lequel efface le sourire narquois de Jyoka. Il n'avait jamais vu ce genre de mouvement par le passé. Se pourrait-il qu'il ne lui ait jamais enseigné l'art des neuf cieux? Mais qu'est-ce donc alors? Jyoka le questionne sur ce qu'il est en train de faire et lui demande s'il croyait vraiment qu'il serait intéressé par ça. Il n'a aucun goût pour les arts martiaux. Croyait-il réellement qu'il allait suivre ces mouvements compliqués? Le reflet arbore un sourire qui en dit bien long. Ça n'est pas comme s'il en était capable. Jyoka s'arma fermement de son bâton et lui hurla que s'il croit qu'il n'en est pas capable, il se trompe lourdement. Il est tombé en plein dans le piège. Ça n'était plus qu'une question de temps avant que la rudesse hivernale laisse place à la douceur printanière. Jyoka continuer de s'entraîner, mais ses mouvements sont bien plus difficiles que ceux qu'il suivait jusqu'alors. Et puis, même s'il arrive à suivre ses mouvements, d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucune chance qu'il puisse faire tout ce que le reflet maîtrise. Même si ça l'agace de le concéder, il n'a vraiment aucune idée de comment faire ce qu'il fait. Au bout du rouleau, il s'assoit et s'énerve. Comment pourrait-il faire quelque chose comme ça? Et puis, ça lui donne faim. Pourquoi a-t-il essayé? Ça ne sert à rien. Oui, ça ne l'avance à rien. Et pourtant, c'est tellement classe. Ça n'a aucune utilité, mais il ne peut s'empêcher de vouloir faire comme il fait. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec lui? Ses mouvements, quand bien même ils sont complexes et difficiles à exécuter, quand il les compare aux mouvements des arts des neuf cieux qu'il lui a montré au début, ils sont plus que similaires, mais bien plus durs. Serait-ce là un art martial encore plus avancé que les arts des neuf cieux? Il n'a jamais vu ses frères pratiquer de tels mouvements pendant leurs entraînements. Pourtant, ça ne fait aucun doute. Il est convaincu que ceux-ci sont liés à l'art de son clan. Mais pourquoi est-ce que cette chose connaît leur art martial? Jyoka dit au reflet qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il fait exactement comme lui, mais ça ne fonctionne pas de son côté. Laisserait-il intentionnellement quelque chose sur la touche ou bien? Le reflet le gratifie d'un magnifique sourire narquois. C'est la goutte d'eau. S'il veut jouer à ça, c'en est terminé de son apprentissage. Le reflet admet sa défaite. Dans ce cas, s'est-il décidé à lui apprendre? C'est un oui. Mais il n'a pas intérêt à mentir. Sinon, il recouvrira le miroir une bonne fois pour toutes. Le reflet pointe le haut du miroir de son doigt. Nombre de caractères apparaissent. Jyoka est subjugué par ce qu'il voit.
toi. C'est le vrai miroir de la fée Jiutan. À cet instant, les 900 mots scellés à l'intérieur du miroir apparurent en haut de celui-ci. Malgré leur complexité et leur sens profond, notre héros avait l'impression que ceci pénétrait en son esprit au plus profond. Il comprit enfin ce qu'il était en train d'apprendre. La technique de l'épée inquisitrice du paradis. Il a passé sa vie à être violenté, harcelé, humilié par son clan. Il a vécu une vie misérable, laquelle aurait dû se ponctuer par sa mort dans la réserve. Mais dans sa malchance, la fortune, celle de rencontrer le miroir de Jiutan Xuanu. Il est un enfant que tout le monde s'imaginait mourir rapidement, qui a pourtant changé de manière profonde. Le manuel secret de la technique de l'épée des neuf cieux, laquelle n'avait pas été transmise par Yeon Muryong, décédé, avait été légué. Le temps est juste avec son monde. L'ironie de l'enfermement de Yeon Joka dans la réserve lui aura permis de passer tout son temps à s'entraîner et à perfectionner sa maîtrise de l'épée inquisitrice du paradis. Au fil du temps, sa maîtrise de l'énergie Yang devint phénoménale. Le miroir de la déesse semblait satisfait. Jioka aussi. Ce fut ainsi pendant 10 longues années. Il faisait enfin les mêmes mouvements. Lu Yang était en vue. Le chariot venait de s'arrêter devant les portes du manoir. Un homme aux longs cheveux rouges descendit du véhicule. Déjà 10 ans qu'il n'était pas venu. Une femme se rua vers lui. C'est sa mère. Baek Mijo. Elle revoit enfin son aîné après 10 ans. Son cadet et sa sœur sont aussi surpris de le voir de retour. Yeon Mu Baek était devenu un homme. Il revient enfin après 10 ans d'entraînement. Sa mère le prend dans ses bras. Elle est si fière de lui. Avec Mu Baek de retour, l'avenir du clan est assuré. Ils pourront devenir les plus puissants de Lu Yang. Non, mieux, de toute la province des Nan. Trop occupée par le retour de son fils, elle n'a guère prêté attention aux deux invités de marque qui l'accompagnent. L'épée du nuage d'azur. Il est devenu l'un des plus puissants de la région. Et Yeon, elle est magnifique. Baek Mijo les invite à rentrer à se reposer de leur long voyage. Elle a beaucoup préparé pour ce jour. Alors qu'elle fait la conversation avec Chun, Yeon cherche quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. La maîtresse de maison lui demande ce qu'elle cherche, mais celle-ci reste muette. Son frère lui demande comment elle peut être aussi impolie. Mais Baek lui dit que ça n'est pas grave. Mais qu'elle s'inquiète tout de même que sa maladie ne lui soit pas passée. Chun lui dit que c'était quand même mieux ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, ils n'ont qu'à rentrer et se reposer. La fatigue du voyage n'a pas dû aider. Fermant la marche, elle interpelle un soldat et lui dit de faire en sorte que Yeon n'approche pas la réserve. Qu'il passe le message. Il est probable qu'elle cherche Jioka même après 10 ans. Toutefois, le soldat a une mauvaise nouvelle à annoncer. Il a voulu vérifier la réserve la nuit dernière car c'était trop calme et le gamin était introuvable. La tortionnaire attrape le soldat par le cou et lui demande sans plus tarder les détails. La veille, alors que les rayons du soleil se faisaient faibles, Jioka a continué son entraînement. Sa puissance était devenue telle qu'il avait balayé les affaires de la réserve d'un simple coup. Après tant d'années, il avait enfin réussi. Il en explosa de joie. Ce mouvement était sans aucun doute le plus difficile de tous. Il se retourna vers le miroir, cherchant l'approbation de son maître, laquelle il obtint par les applaudissements de ce dernier. C'est uniquement après avoir appris les 900 mots que le miroir lui avait montré qu'il a pu progresser sur les points les plus difficiles de la technique. Il demande alors au reflet du miroir de lui apprendre la prochaine. Mais celui-ci lui indique de regarder en haut. Un trou dans le plafond. C'était la première fois qu'il voyait le ciel en 10 ans. Le reflet du miroir était satisfait. Sa leçon était terminée. Mais pouvait-il sortir? Il avait l'aval de la seule personne en qui il avait placé ses espoirs. Il était l'heure pour lui. L'heure de sortir. L'heure d'être libre. Il avait oublié à quoi ressemblait le monde extérieur et était subjugué par sa beauté. La déesse avait terminé son travail. Son élève est grand maintenant. Celui-ci l'invite à voir le ciel avec lui, mais... Le reflet du miroir avait disparu. Jioka était libre, mais terriblement seul. Sa belle-mère entra comme une furie dans la réserve. Celle-ci était effectivement vide, mais il ne lui fallut guère longtemps pour apercevoir le trou dans le plafond. Comment avait-il réussi à monter aussi haut? L'un des soldats de la brigade du Tigre Blanc demande à leur maîtresse s'ils doivent envoyer une équipe à sa poursuite. Mais elle leur dit que ça n'est pas la peine. Pourquoi devrait-il chercher un enfant ingrat envers le clan qu'il a nourri pendant 16 ans? Sa pensée était fort malheureusement à l'image de la réalité. Il n'est qu'un gamin de 6 ans dans le corps d'un jeune homme. Il ne sait rien du monde de comment gagner sa vie et survivre. Il ne lui faudra que quelques temps pour souffrir de la faim ou de maladie et mourir seul.
Au manoir Waryong, la maîtresse de maison jouait sa comédie pour éviter de perdre la face avec son aîné de retour. Ce dernier lui demande si Jeoka a réellement quitté les lieux, ce à quoi elle répond par l'affirmative. C'était il y a 3 jours, et malgré des recherches, il n'a pu être retrouvé. Mubaek lui fait tout de même remarquer que Jeoka n'est pas du genre à fuguer, mais sa mère lui rétorque qu'il devait être trop impatient de retrouver son grand frère. Mubaek est sceptique, mais il est interrompu par l'impromptue présence de Yeon derrière lui. Pourquoi n'est-elle pas dans le salon comme il lui avait indiqué? Ça, c'est mauvaise nouvelle pour Baek Mi-jo. Son regard est aussi oppresseur que jamais, mais la vieille femme se doit de lui jouer sa pièce. Était-elle inquiète pour Jeoka? Elle ne devrait pas. Il est en âge de faire ça, après tout. Elle n'y croit pas du tout. Elle a l'œil pour remarquer les incohérences. La maîtresse a dit qu'il est parti il y a 3 jours, mais la couverture n'a pas la moindre trace de poussière. C'est comme si elle venait d'être déposée. À l'inverse, le reste de la chambre n'est absolument pas entretenu. Il n'y a pas la moindre trace d'âme qui vive ici. Yeon ne croit en rien aux petites manigances de la femme et elle part comme une tempête. La mère demande à son fils si elle est toujours comme ça ou bien si elle prend le manoir Waryong pour une vaste blague. Mubaek en reste silencieux. Il insiste auprès de sa mère. Est-ce que ce qu'elle raconte à propos de Jeoka est vrai? Il n'a jamais vu Yeon agir comme elle le fait. Elle est surnommée la fleur télépathe. Avec un visage aussi beau qu'une fleur, elle lit dans l'esprit des gens. Si elle a le moindre intérêt pour quelque chose, elle le poursuivra jusqu'à résolution. Il y a même un dicton qui en est né. Tu peux peut-être tromper un fantôme, mais pas la fleur télépathe. Si elle dégage une telle aura meurtrière, c'est qu'il y a une raison. Sa mère lui demande s'il croit qu'elle l'a tuée, mais il lui dit que non, plutôt qu'elle lui cache quelque chose. Donc si elle pouvait lui expliquer, elle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il ne vivait pas dans cette pièce. Toutefois, il est vrai qu'il a quitté le manoir. Mubaek s'apprête à la questionner, mais sa mère lui apporte les réponses qu'il attendait. Comme Jeoka n'a jamais vu le visage de son père, elle a fait en sorte qu'il puisse rester avec les affaires du dit père. Mubaek sait où se rendre. Il arrive comme une fusée en face de la vieille réserve, mais il est surpris de voir qu'elle était déjà là avant lui. Mais comment pouvait-elle savoir? Il s'apprête à lui demander, mais elle devine quelle est sa question. La réponse est simple. D'une voix douce, elle lui fait remarquer qu'il s'agit là de l'endroit le plus reculé du manoir, et qu'il y a nombre de gardes qui surveillent cet endroit. C'est comme s'il lui cachait quelque chose. Mais en regardant cet endroit, elle comprend pourquoi ils agissaient de la sorte. C'est une réserve qui sent la moisissure et la saleté, laquelle a vu un enfant se recroqueviller et dormir comme il pouvait. C'est à s'imaginer que le manoir Waryong tenait un petit démon ou autre chose ici. Ça, elle ne le laissera pas passer et le signalera à son père. Par respect pour Mubaek, elle fera en sorte qu'aucune rumeur ne fuite dans la sphère publique. Mais pour sûr, les relations entre les clans Nangong et Yeon ne seront plus les mêmes. Et, sur ce, elle rentre de ce pas avec son frère. Mubaek en reste silencieux. Le poing serré, il enrage. Le manoir Waryong va désormais s'aventurer sur un terrain glissant vis-à-vis de la famille Nangong. Comment peut-il résoudre cette situation entre sa mère et le clan qui s'est occupé de lui pendant 10 ans? L'après-midi, il laissait place au ciel d'or du soir à Luoyang. Il y avait foule dans la ville. Jeoka est impressionné de constater à quel point les choses ont changé ici. Combien de temps avait-il été enfermé? La ville est tellement différente qu'il ne reconnaît que très peu le chemin. De mémoire, la sortie devrait être dans le coin. Peut-être aurait-il dû directement fuir en direction de la montagne. Trop concentré sur son chemin, il percute par accident un homme. Il s'excuse immédiatement d'une voix tremblante et lui demande s'il ne lui a pas fait mal. L'homme lui répond que non, mais aussi de faire plus attention où il marche. Jeoka s'en excuse, mais le visage de l'homme lui est familier. Il est le soldat qu'il a jeté dans la réserve il y a 10 ans, un soldat du manoir Waryong. De peur d'être recapturé, il baisse la tête et lui dit qu'il fera plus attention, mais qu'il est pressé. Attends, lui dit le soldat. Il est persuadé de l'avoir déjà vu quelque part. Dans ce cas, il va avoir besoin de vérifier son identité. Jeoka ne sait quoi faire. S'est-il fait prendre? Le soldat s'énerve et lui demande de revenir sur le champ, mais Jeoka ne peut le laisser le ramener dans la réserve. Il a baissé sa garde. Il n'aurait pas dû revenir en ville. Il prend ainsi la fuite à grandes enjambées. Le soldat lui hurle de s'arrêter, mais Jeoka file. De mémoire, la porte vers la sortie de la ville était dans ce secteur. Il doit éviter de se faire prendre à tout prix. La porte était en vue. C'était son ticket vers la liberté. Il n'a plus qu'à courir le plus loin possible, si loin que personne ne le retrouvera jamais. Le soldat était à ses trousses. Comment un gamin pourrait prendre la fuite face à un soldat du manoir Waryong? Toujours à sa poursuite, il lui crie qu'il est un homme mort s'il l'attrape. Jeoka voit bien que l'homme est rapide, plus rapide que lui. S'il est capturé, il sera ramené à sa belle-mère. Tout sauf ça, il ne veut pas retourner dans la réserve, plus jamais, et encore moins être puni par sa belle-mère. Le soldat lui hurle de s'arrêter. La porte de la forteresse se ferme. Jeoka est persuadé qu'il peut y arriver. Ça va être serré, mais c'est définitivement faisable. Pourtant, le soldat était juste derrière.
Croyait-il pouvoir continuer de fuir? Il n'était pas dupe. Il sait à sa fuite qu'il y a bien quelque chose d'anormal. Gioca fulmine. Il ne doit pas être attrapé et accélère d'un coup. Il peut le faire. Le soldat reprend la poursuite, mais trop concentré sur Gioca, il en oublie la porte qui se referme sur lui. Un bruit de choc. Que venait-il de se passer? La porte venait d'arrêter sa meurtrière fermeture. La voix toujours hésitante, Gioca, ayant arrêté la porte d'une seule main, demande à son pourchassant s'il va bien. S'il n'est pas blessé, le soldat en est bouche bée et bégaye qu'il n'est pas blessé. Gioca est soulagé. Il lui dit que sa fuite s'explique par le fait qu'il ne veut plus être de nouveau capturé. Le soldat, choqué par l'impossible déploiement de force du jeune garçon, lui dit qu'il n'avait aucune intention de le capturer. Disons, qu'il le suivait juste. Gioca est heureux d'entendre ça. Dans ce cas, tout n'était que malentendu. Il lui dit ainsi qu'il ne compte pas s'attarder ici et fonce vers la liberté. Le soldat est complètement sidéré de ce à quoi il vient d'assister. A-t-il rêvé? On entend dans le Django, faites attention aux enfants, filles et personnes âgées. Comment pouvait-on deviner qu'un dicton issu du folklore était réel? Le soleil se tarissait dans les montagnes. Gioca complaignait de la faim. Après tout, il n'a rien avalé depuis un moment déjà, et ça n'est pas non plus comme s'il pouvait continuer encore bien longtemps sans avaler quelque chose. Il contemplait des champignons peu ragoûtants, mais compte tenu de la faim, il avalerait n'importe quoi. Au milieu de la nuit, il avait de plus en plus de mal à marcher. Après un vomissement au pied d'un arbre, notre protagoniste ne parvenait à comprendre ce qui se passait avec son corps. Il se sent excessivement mal et sa vision est complètement distordue. C'est mauvais. Il ne peut se déplacer convenablement. Que ferait-il si un animal venait à apparaître? Il doit trouver un endroit où dormir, mais ses paupières sont lourdes. Gioca s'effondra misérablement au sol sous le poids du poison du champignon. Il ne peut pas dormir maintenant. Surtout pas! Des voix se faisaient difficilement entendre. Quelqu'un enragé. Pourquoi était-ce lui qui devait avoir la malchance de tomber sur un cadavre? Ils sont plusieurs. Une autre personne lui dit qu'après tout, le plus jeune en a assez de cuisiner, donc pourquoi ne le ramènerait-il pas? Mais pourquoi ramener quelqu'un qui a l'air aux portes de la mort? Qu'il vive ou qu'il meure ne dépendra que de lui, mais eux, ils n'ont rien à perdre. Gioca ouvrait faiblement les yeux sur deux hommes qui le regardaient. L'un d'eux demande de vive voix s'il est mort. Son camarade lui signale que non. Ça doit plutôt être un malaise. Le jeune garçon respire toujours. Le colérique guerrier s'exclame. Qu'importe son état, il ne peut croire que quelqu'un ici même pourrait être dans une plus misérable encore situation que la leur. Qu'il le ramène. Son compagnon d'armes semble satisfait de cette décision. Le garçon a l'air d'être un mendiant. S'il lui sauve la vie, il le leur rendra bien, pour sûr. Ils étaient 6 dans leur famille. Ça n'est pas la fin du monde de nourrir une 7e personne. Gioca ne savait guère où il était. Au loin, il voyait une fée. Ce à quoi elle lui répondit que ça n'importait guère. Gioca se réveilla en sursaut. Il est instantanément questionné par l'un de ses sauveurs. Que diantre faisait-il pour tomber au fond d'un ravin? S'il n'était pas passé par là, pour sûr le jeune homme aurait fini dans l'estomac d'un animal. Gioca, toujours assez surpris de la situation, remercie son sauveur, mais lui demande où est-ce qu'il se trouve. Il est à la forteresse des 5 pics, et ses hommes sont des bandits des montagnes. Tous les 6 sont frères d'armes. Il est Tak Gomyung, le second frère. Le troisième, Ma Yung-do. Le quatrième, Eo Imdal. Mais ce dernier fait remarquer à ses frères qu'il a l'air totalement à l'ouest. Sera-t-il capable de se rappeler de leur nom? Qu'importe, le premier frère et commandant en chef se présente la bouche pleine. Il est Pong Yeon-cho. Il explique à Gioca qu'ayant sauvé sa vie, il s'attend à ce qu'il le leur repaye dès maintenant. Gioca lui demande ce qu'il entend par repayer. Yeon-cho lui dit qu'il ne sait peut-être pas comment fonctionnent les choses après avoir mendié toute sa vie. Mais quand on sauve la vie de quelqu'un, le sauver se doit de le remercier. Et cela peut passer par un travail acharné. Même les animaux fonctionnent de la sorte. Ainsi, quelle honte ce serait d'être pire qu'un animal. Imdal demande à son commandant la raison de sa frénésie et lui dit de ne pas être si intransigeant avec un enfant qui vient de se réveiller. De plus, il propose à Gioca de quoi manger. Celui-ci est complètement perdu face à tout ce qu'il se passe, mais au fond, il ne sait pas s'il a vraiment le droit de manger ça. De son point de vue, les choses sont... Ne pouvant savoir si oui ou non il pouvait, il refuse poliment, disant qu'il n'a pas faim du tout. Mais ses sauveurs ne sont pas dupes. Son estomac criait famine tout du long qu'il dormait. Mais Gioca lui rétorque qu'il n'a pas d'argent, ce à quoi l'homme lui dit qu'il ne lui demandera pas d'argent. Qu'il peut manger en toute tranquillité. Mais Gioca n'arrive pas à accepter. Toutefois, sa manière de parler, elle interpelle le commandant en chef.
Pourquoi communique-t-il comme un jeune enfant? Il a pourtant l'air d'avoir au moins 15 ou 16 ans. Le chef Yeon-cho demande à Go-myung si ce gosse n'est pas un peu faible d'esprit. Ce à quoi ce dernier lui répond qu'ils peuvent toujours lui demander de faire des tâches ménagères. Cela dit, s'ils ont fait une erreur en le récupérant, ils risquent bien de crever de faim. Il regardait Jeoka comme une bête de foire. Il a l'air gentil, donc, s'il lui donne des instructions claires. Mais son chef lui signale que ne pas être capable de ramener le pain à la maison n'est pas un symptôme de la gentillesse, mais plutôt de la stupidité. Et puis, ceux qui mendient sont habitués à ne rien faire et non à travailler. Il attrape Jeoka par le col. Ça ne va pas le faire à ce rythme. Qu'il le suive. Jeoka lui demande ce qu'il est en train de faire, là où les camarades de Yeon-cho lui disent sans sourciller de bien faire les choses. Jeoka était acculé. Il demande à Yeon-cho de l'épargner. Il n'a réellement rien sur lui. Mais ce dernier est aussi surpris que gêné d'une telle réaction. Il n'était pas dupe. Il avait bien compris que sa vie, ce garçon, l'avait passé à être battu sans pitié. Il exaspérait et demandait à Jeoka comment il comptait survivre dans la forteresse comme ça. Jeoka lui demande tout tremblant pourquoi il devrait survivre de la sorte, mais Yeon-cho lui explique qu'il lui donne simplement une chance de ne pas servir de nourriture aux animaux de la forêt. De plus, il ne mourra pas de faim s'il se joint à eux. Mais comment quelqu'un comme lui pourrait devenir un bandit des montagnes? Il n'y a aucune chance. Le chef lui demande d'un ton qui se fait de plus en plus agressif quel genre de bêtise est-ce là? Mais Jeoka lui explique qu'il est faible et qu'il ne sait rien faire. Yeon-cho s'exclame. Il est tellement frustrant. Va-t-il jeter sa seule chance de survie juste parce qu'il a peur? Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Ceux qui prennent et ceux qui perdent. Dans quelle équipe souhaite-t-il être? Jeoka ne comprenait pas ce que l'homme lui disait, mais celui-ci se fait plus précis. Est-ce qu'il a envie de passer sa vie à être traité comme un inutile déchet par le reste du monde? Ces mots commencèrent à résonner avec Jeoka. Non, non, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il ne veut plus être méprisé. Il ne veut plus qu'on lui prenne ce qui lui appartient. Si quelqu'un est dehors pour lui dérober ce à quoi il tient, eh bien il préfère faire partie de ceux qui prennent. Yeon-cho était ravi. Ce genre de détermination, c'est tout ce dont il a besoin pour survivre. Qu'il regarde derrière lui. Du premier pic à gauche jusqu'au cinquième pic, là s'étend tout leur territoire. Ils sont les rois de ces cinq sommets. Personne n'ose les mépriser ici. Ainsi, s'il les rejoint, lui aussi deviendra l'un des rois de cette terre. N'est-ce pas sublime? Jeoka était subjugué. Yeon-cho se releva subitement. Et dire qu'il commence à l'apprécier. À partir de maintenant, il est le septième frère de la forteresse des cinq pics. Il lui demande son nom. Il est Jeoka. Yeon Jeoka. Quoi qu'il en soit, il doit garder quelque chose à l'esprit s'il le rejoint. C'est assez simple. Ils sont les plus forts! Qu'il répète avec lui. Qui sont-ils? Les plus forts! À ce moment, Jeoka eut des frissons d'excitation pour la première fois. Avec sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs qui l'humiliaient jour après jour, sa survie dans la réserve infernale, son cœur renfermé sous une épaisse couche d'acier commençait enfin à voir la lumière du jour. Cette enveloppe s'est brisée ce jour même. C'était comme si la foudre avait traversé son corps. L'art des neuf cieux qui dormait au fond de son corps se réveilla au même moment que s'ouvrit à lui cette porte vers une nouvelle vie. Ils sont les plus forts! Son cri était si fort que la légende raconte qu'il a fait trembler les cinq montagnes et fuir les nuages. C'était un nouveau départ pour Yeon Jeoka. Yeon-cho rigolait bien de son puissant cri et dire qu'il a de tels poumons malgré son frêle corps. Ça serait du gâchis d'utiliser un tel esprit combatif pour des tâches ménagères. C'est décidé. Il lui apprendra les arts martiaux quand il en aura l'opportunité. Jeoka le remercie avec ferveur. Pour l'instant, qu'il suive ses six autres frères, qu'il puisse lui montrer comment faire les tâches ménagères. Il doit travailler dur. Jeoka le sait et se donnera à fond. C'est comme ça qu'il découvrit ce qu'est la vie d'un bandit des montagnes. D'abord la survie. S'il était considéré comme naïf, déçu de son emprisonnement de 10 ans dans la réserve, il a su s'adapter et s'ouvrir rapidement à sa nouvelle famille, laquelle le traitait avec respect comme un vrai frère. Voici ce qu'était une vie normale. Bien sûr, tout ne se passait pas toujours pour le mieux. Ses frères n'étaient que des roturiers dépourvus de réels talents aux arts martiaux. De sorte, quand ils allaient au plus profond des montagnes, ils revenaient tous couverts de blessures. Pourtant, ils gardaient toujours le sourire. La vie leur restait agréable. Ils savaient apprécier la trivialité de la vie. Là où Jeoka était le fils illégitime d'une concubine,
maltraité au sein de son propre clan. Ironiquement, il ne ressentit le bonheur qu'une fois être devenu un bandit des montagnes. Un jour, les frères de Jioka s'étaient prosternés. L'angoisse était palpable. Deux hommes leur avaient rendu visite. Ils étaient venus car ils avaient entendu qu'ils trouveraient une puissante forteresse ici. Mais ça ressemble plus à une tanière de mendiants. La forêt verte était un nom inventé de toutes pièces par des bandits cherchant à glamouriser leurs activités. Elle a été tournée en dérision pendant pléthore d'années. Mais un jour, un homme à la puissance monstrueuse apparut. Il s'était surnommé le bandit de la forêt verte. Dès que les rumeurs sur l'homme ont commencé à se propager, les maîtres des arts martiaux des plus puissantes sectes ont essayé de le maîtriser, mais personne n'en était capable. Au fur et à mesure que sa puissance et sa notoriété prenaient de l'ampleur, son surnom devint le Seigneur Démon Destructeur de Cieux. Il était reconnu comme l'un des 10 plus grands maîtres d'arts martiaux au monde. Les sectes non orthodoxes, qui étaient sous l'ombre des orthodoxes depuis un moment déjà, étaient ravis de son apparition. Cela résulta en un exode sévère de maîtres d'arts martiaux du Jiang vers la forêt verte et les conseils du Seigneur Démon. Devenu commandant en chef, il était désormais capable de faire de la forêt verte une véritable place forte dans l'histoire du Murim. Au fur et à mesure que sa réputation grandissait, la forêt verte devint le rêve de tous les bandits des montagnes et autres artistes non orthodoxes. Ils venaient tous supplier le grand maître d'être accepté dans la forêt verte. Les camarades de Jioka étaient jugés par Yeom Song-chul, le vice-chef de la forêt de la montagne d'Aebiol, et Li Jung-an, l'autre vice-chef. Il avait l'air dégoûté de ce qu'il voyait. Croyait-il que la forêt verte est une blague ou bien ? Croyait-il vraiment qu'un groupe aussi minable qu'eux pourrait rejoindre la forêt verte ? Ils ne sont même pas 10. Pourquoi devrait-il tenir le drapeau de la forêt verte ? Yeon-cho lui dit que si ce n'est que pour 3 personnes, il peut les recruter en un mois. Mais Jung-an lui hurle qu'il en faudra pas 3, mais 4. Pourquoi compterait-il un gosse dedans ? Les frères de Jioka le défendent comme ils peuvent. Il a peut-être l'air ridicule, mais il est plutôt utile pour le ménage. Mais ça, les représentants de la forêt verte n'en ont pas grand-chose à faire. Il leur faut 10 personnes capables de se battre. La réalité, c'est qu'en l'état, ils sont bien trop faibles. Ont-ils seulement conscience de l'ampleur de la zone qu'ils sont supposés défendre ? Jioka était assez irrité de voir ses frères se faire traiter de la sorte. Jung-an, une fois réflexion faite, se devait de concevoir que venir ici était une erreur. Il faudra bien plus de 10 personnes pour garder cette zone. Il a fait une grossière erreur en venant ici. Mais son acolyte le coupe dans sa réflexion. À vrai dire, lui voudrait qu'il les accepte dans la forêt verte. Mais comment pourrait-il accepter ce genre de faiblard ? Eh bien, à vrai dire, ils n'ont recruté qu'une seule forteresse pour l'instant et ils sont en manque de temps. Le 15 de ce mois, le commandant en chef a vérifié l'avancement du recrutement. Ne sait-il pas ce qu'il adviendra d'eux s'ils n'atteignent pas leur quota ? Quelle idée ridicule de devoir recruter autant de personnes ! Cela dit, si l'on apprend que la forêt verte recrute ce genre de plaisantin, ne serait-il pas mieux mort ? Qu'il ne s'inquiète pas. La zone est bien trop vaste. À vrai dire, c'est la raison même qui fait qu'une forteresse n'a pu être établie dans la province des Nan. Les clans de la région se divisent déjà celle-ci entre eux. Ce serait bien trop difficile de maintenir une forteresse ici. Cette zone est condamnée à se faire prendre par les plus grands groupes. Il n'y aurait pas la moindre preuve que ce groupe-ci n'était pas assez fort. C'était une idée de génie! Désormais, ils n'ont plus qu'à atteindre leur quota. À la surprise générale, ils étaient pris. Toutefois, ils doivent être au moins 10 hommes avant l'hiver. De plus, il leur est interdit de fuir face aux autres groupes, sans quoi ils terniraient la réputation de la forêt verte. Ils n'y manqueront pas. Les bandits des 5 pics ne tenaient plus en place, sans pour autant avoir compris la manigance de la forêt verte. De toute manière, ça ne leur importait peu. Le plus important était qu'ils puissent brandir le drapeau de la forêt verte. Cela forcera les autres groupes à leur payer un tribut. Mais de leur côté, les deux maîtres de la forteresse d'Aebiol étaient plus que persuadés qu'ils ne tiendraient pas plus de 2 mois. Et pourtant, il y eut une sacrée déviation entre leurs prédictions et la réalité. Dès le matin, ils se devaient d'être tous prêts. Dès aujourd'hui, ils sont de la forêt verte, alors qu'ils récupèrent un joli butin. De son côté, Jioka n'avait qu'à faire en sorte que les tâches ménagères soient accomplies. À vrai dire, il en avait bien assez d'être cantonné au ménage, si seulement il pouvait les suivre dans les montagnes. Mais il sait pourtant très bien à quel point ses frères comptent sur lui. À vrai dire, son rôle est capital, mais ça ne lui suffit pas. Cela faisait un mois qu'il avait rejoint la forteresse. Bientôt,
Un autre mois viendrait jusqu'à ce que le troisième pointe le bout de son nez. Depuis le temps, il accomplit les diverses tâches suffisamment vite pour qu'il ait le temps de s'ennuyer. Que pourrait-il bien faire ? Mais oui ! Avec le sifflement de la forêt, il se concentrait. Il se rappelle toujours de ce qu'il a appris dans la réserve. Il doit se préparer pour la fois où il ira avec eux. S'il veut les repayer pour leur gentillesse, il doit s'entraîner. Et un jour, pour sûr, il sera en mesure de les aider. Pour l'heure, les 7 membres des bandits des 5 pics devaient se rassembler. Aujourd'hui, ils allaient recruter 3 nouveaux membres au sein de leur famille. Jusqu'à maintenant, ceux qui ont rejoint la forteresse sont devenus leurs frères d'armes. Toutefois, il ne peut y en avoir un nombre infini. De sorte, chacun sera classé selon son entrée dans la famille. Si c'est bien compris, qu'il se présente. Le premier se nomme Lee Chul-San. Son crime fut celui de s'en prendre au fils du magistrat. Dès lors, il a commencé à suivre Gideok. Chun Gideok. Il est ainsi ami avec Chul-San. Il a décidé de venir dans les montagnes car il y a trop de bouches à nourrir dans sa famille. La dernière se nomme Han Chae-yeon. Elle a 19 ans. Après que son père l'ait vendue à une maison close dans le comté de Bobong, elle a pris la fuite. Une fois retournée chez elle, on lui a dit de retourner à la maison close. De sorte, elle s'est dit que vivre dans les montagnes serait bien mieux qu'une vie de prostitution. C'était une bonne nouvelle pour Jioka. Il sera enfin dispensé de corvée. Il pourra les rejoindre dans les montagnes. Et oui, après tout, ils l'ont vu s'entraîner dans la cour arrière. Il va enfin pouvoir les rejoindre. Yeon-cho précise aux nouveaux membres que seulement s'ils ont une sorte de pouvoir spécial, leur rang sera déterminé au moment où ils les ont rejoints. Chul-san étant plus âgé que Gideok, il sera le numéro 8. Gideok le 9 et Chae-yeon la 10. Chul-san demande au chef s'il est vraiment possible de monter dans la hiérarchie s'il dispose d'un talent. Pour sûr, ils sont la forêt verte. Seule la loi du plus fort compte. Ça tombe bien, car il s'est entraîné 3 ans durant à une école d'art martial. De sorte, il n'a qu'à dire de qui il ne souhaite pas être le cadet. C'est évident, il peut être au-dessus du gamin faiblard. Dans ce cas, Jioka était-il prêt à se battre pour défendre sa position? S'il ne se bat pas maintenant, il ne pourra peut-être pas suivre ses frères dans les montagnes. Il ne peut pas laisser une chose pareille se produire. Il va se battre! Gomyung est assez surpris et inquiet face à sa détermination. Chul-san a l'air puissant, mais le chef commandant n'est pas inquiet. Qu'il se batte et le perdant sera 8e. Chul-san dit à Jioka que pour rien au monde, il retiendra ses coups. Ça tombe bien, parce qu'il est là pour le détruire. Le détruire, hein? C'est la petite expression fétiche du troisième frère, ça. Chul-san avait son idée. Quoi qu'il en soit, il va s'occuper de lui sans tarder pour devenir l'un des frères d'armes. Il va s'occuper de son cas en un coup. Habitué à la réserve, Jioka l'a vu venir. Dégaine son épée, mais il n'a pas d'épée. Cette fois le coup, il ne put l'éviter. Mais comment pouvait-il se battre sans armes? Il n'a pas appris ça dans la réserve. Le combat était à sens unique. Ne devrait-il pas les arrêter? Ils étaient persuadés que Jioka ne s'était jamais battu. Ce n'est pas totalement faux, mais pourquoi? Pourquoi devrait-il se battre à coups de poing? Chul-san se sentait humilié d'avoir reçu un coup aussi vulgaire. S'il ne veut pas que la branlée soit trop sévère, qu'il reste sagement au sol. Mais ça, Jioka refuse. Il va gagner. Il doit gagner. Mais tout ceci reste des mots dépourvus d'action. Croyait-il sérieusement pouvoir gagner? Il l'avait prévenu. Il aurait eu mieux fait de rester au sol bien gentiment. Chul-san réclame ainsi au chef Yeon-cho sa bien méritée 7e position dans la hiérarchie. Mais Jioka n'était pas encore hors service. Qui donc a parlé de 7e position méritée? Ça n'est pas encore terminé. Il ne le laissera jamais gagner. Oh non, qu'il se ramène maintenant! Chul-san ne comprenait pas comment Jioka pouvait toujours tenir debout après s'être pris autant de coups. Même des combattants adultes ont eu fini chez un médecin après leur défaite contre le contestant du jeune homme. Et pourtant, après pléthore de coups en pleine face, il tient toujours debout. Yeon-cho demande à Chul-san s'il compte y retourner. Sinon, il considérera ça comme un abandon. Oh non, il n'abandonnera pas. Mais que Jioka ne regrette pas ses mots. À ce rythme, rien ne dit qu'il survivra. Jioka ne sera plus jamais intimidé. Quand bien même le jeune garçon a appris la technique de l'épée inquisitrice du paradis, il ne sait guère comment s'en servir correctement. Ainsi, il n'a pas eu le déclic lui permettant de se rendre compte de sa monstrueuse puissance. Son souhait d'aller dans les montagnes, allié à son désir de victoire, c'était bien assez pour relâcher l'énergie des 9 cieux en lui. Il n'a qu'à faire de son poing son épée. Chul-san commençait doucement à ressentir la terreur.
Voici ce qu'est réellement le cauchemar Jeoka. Son coup est d'une puissance phénoménale, et Chul-San venait de l'encaisser de manière frontale. À la vue du colosse encore debout, Jeoka se demandait si son coup ne marchait qu'avec une épée. Dans ce cas, il continuera jusqu'à... Chul-San venait doucement de s'effondrer au sol. Gomyung insistait auprès de Yeon-cho. Il vaudrait mieux arrêter Jeoka, sans quoi... Le regard du chef était bien silencieux. Personne n'avait remarqué. Pourquoi Chul-San était-il au sol? Que diantre venait-il donc de se passer? À vrai dire, personne n'avait réellement compris. Ils l'avaient tous vu charger sur Jeoka et puis s'effondrer. Était-il malade? Personne n'était en mesure de réaliser que Jeoka était la cause de son malaise. Certains des frères d'armes se demandaient à moitié paniqués si cela ne pouvait pas être le fruit de Jeoka. Yeon-cho n'avait guère intérêt à savoir qui ou quoi était derrière cet effondrement. La seule chose qui importe, c'est que la bataille de rang a été décidée. Le 7ème des 5 pics est donc Jeoka. Au tomber du soleil, on avait appelé Jeoka. On lui avait offert une sublime épée. C'était un cadeau du chef en récompense de son sublime combat. Qui plus est, dès demain, il fera partie de l'équipe qui ira dans les montagnes. Il était ravi. Ce moment, il l'attendait depuis des mois déjà. Il est coupé abruptement dans son élan. Si c'est une bonne chose qu'il ait un esprit combatif aussi affûté, il doit garder en tête que le combat à l'épée est bien différent d'un combat à main nue. Un moment d'inattention et il suffit d'un coup pour que tout soit terminé. Qui plus est, dans son combat précédent, il serait mort une douzaine de fois si des épées avaient été utilisées. Jeoka marmonne qu'avec des épées, il aurait gagné de manière bien plus simple pourtant. Quoi qu'il en soit, Gomyung était déterminé à lui apprendre la maîtrise de l'épée ainsi que sa technique de tueur de démons. Ayant grandi dans un temple, il connaît quelques mouvements. Bon, il s'arrête au troisième, mais passons. Ça peut déjà être plus que difficile pour Jeoka, lequel n'a jamais vu de technique d'épée. Le garçon était à fond. D'autres membres des 5 pics discutaient en regardant les deux manier l'épée. Peu importe combien de fois il lui a demandé, jamais Gomyung ne lui avait appris sa technique de tueur de démons. Pour sûr, il a dû être fortement impressionné par Jeoka. Mais amènerait-il réellement Jeoka dans les montagnes demain? Le chef n'y voyait pas d'inconvénient. Ils sont les rois de ces montagnes, après tout. Rien de bien grave ne pourrait se passer. Le lendemain, un convoi passait entre le creux des montagnes. Il avançait comme il pouvait dans le ravin. Le chef ne se sentait définitivement pas à l'aise. Ça fait déjà un certain temps qu'il dort excessivement mal. Il demande à l'homme assuré de sa protection s'il est sûr que tout se passera bien. En général, son instinct ne lui ment pas. Mais le dit Kang rigole de l'inquiétude de son patron. A-t-il peur à cause de médiocres bandits qui traînent dans ces montagnes? Il n'y a aucune chance que l'on vienne s'en prendre à eux. Lui, l'épée est claire, et si craint que même la forteresse du dragon des mers ne s'en prendrait pas à lui. Certes, mais l'angoisse latente du vieux marchand ne désemplit pas. À juste titre. Il y serait resté si ça n'était pas pour Kang. Il en était presque heureux. Les bandits des 5 pics lui faisaient face. Ces terres appartiennent à la forteresse des 5 pics de la forêt verte. S'ils veulent passer, il faudra s'acquitter du péage. Kang était sceptique. Ils se revendiquent de la forêt verte, mais pourtant ils ne sont que 10. Ils croyaient à une blague. Sous-estimaient-ils l'union des marchands de Mansu ou bien? Croyaient-ils qu'ils auraient peur de brigands de pacotille comme eux? Faussement impassible, Yeon-cho hurle à ses hommes de leur envoyer une salve de flèches. Gomyung est dubitatif. N'en a-t-il pas attrapé une avec sa main? Qu'importe, ils n'ont qu'à en envoyer plus. Beaucoup plus! Qu'on leur fasse comprendre qu'il n'est pas tolérable de se moquer des 5 pics. C'est flèches. Kang en riait. C'est bien pour ça qu'il n'apprécie que peu s'occuper de bandits à mi-temps. Du côté des 5 pics, on commençait à douter. Venait-il réellement de dévier toutes les flèches? Seuls? Ils étaient foutus. Depuis quand l'Union des Marchands disposait-elle d'une escorte aussi puissante? Cet homme est un véritable maître. Il va les tuer à lui seul. Ces hommes étaient tous prêts. Les 5 pics l'étaient beaucoup moins. Qu'ils restent en position, sans quoi la mort sera assurée. Dans ce cas, Yeon-cho s'occupera de les retenir, que les autres prennent la fuite. Mais Jeoka ne l'entendait pas de cette manière. N'avait-il pas écouté son chef? Les gardes de l'Union des Marchands se riaient de ces prétendus bandits qui envoyaient un enfant au casse-pipe pour se sauver eux. Pensaient-ils réellement qu'un enfant leur ferait gagner assez de temps? Mais Jeoka n'était pas là pour faire de la figuration. Que Kang s'apprête à mourir! Rigolait-il? Oh non! Sur les 5 pics, ils sont rois! Le commandant en chef n'en revenait pas. Gomyung non plus. Est-ce que Jeoka était devenu fou? Non. Il était parfaitement dans son rôle de bandit des montagnes.
Kang n'en revenait pas d'une telle assurance. Était-il idiot? Qu'importe, il va s'en occuper. Enfant ou pas, cela dit, il lui laisse une chance. S'il s'excuse, il l'épargnera. Mais Jiouka n'en a rien à faire. Pour quelqu'un qui est sur le point de crever, c'est sûr qu'il en déblatère des conneries. Gomyung demandait l'air gêné à son chef. Quand est-ce qu'il avait pu apprendre à Jiouka ce genre de choses? Kang enrageait. Cet hautain gamin venait de précipiter sa mort. L'épée éclair venait de s'élancer sur le jeune homme, lequel prit de plein fouet le tranchant du formidable épéiste. Quoique, il venait de l'éviter d'un cheveu. D'un revers, il venait de scier en deux l'arme de Kang, lequel n'avait rien compris quant à ce qui venait d'arriver. Les bandits des cinq pics étaient sidérés. Comment est-ce possible? Qui pouvait-il bien être? Aurait-il évité son attaque au dernier moment? Mais comment? Même un maître suprême n'en serait pas capable. Mais plus surprenant encore, il n'avait même pas vu son épée bouger. Jiouka lui demandait, est-ce tout ce qu'il avait? Dans ce cas, c'est à son tour. Mais Kang lui hurle d'attendre. Il va changer d'arme. Jiouka était bien ennuyé. Qu'il se dépêche alors. Son arme était si médiocre qu'il avait failli lui trancher la tête avec. Kang ne comprenait guère ce dont Jiouka parlait jusqu'à ce qu'il sente un liquide chaud couler. C'est pourtant impossible. La portée d'une épée comme la sienne ne devrait pas pouvoir l'atteindre. Face à la calamité de Jiouka, Kang s'excusa immédiatement. Il mérite de mourir pour sa faiblesse. Il paiera. Oui, il paiera le péage dont il les épargne. Il était bien conscient que Jiouka est un véritable monstre. Utiliser une telle énergie d'épée à son âge est un véritable prodige. Ça ne devrait pas être réel. Et pourtant, Jiouka était surpris de voir Kang réagir de la sorte. Mais qu'importe. Dans ce cas, il compte bien poser un juteux péage. Kang n'y voyait aucune objection, là où les frères de Jiouka en restaient silencieux. Dans l'école, tenant fièrement la bourse gagnée par le 7e de la petite bande, son chef ne pouvait s'empêcher de demander à Jiouka qu'est-ce qu'il venait de faire. À vrai dire, c'est plutôt simple. Il a simplement utilisé la technique de tueur de démons de Gomyung. Cela dit, ça ne fait pas bien plus de sens. Cette technique est au mieux de 3e zone. Trancher l'épée de Kang Mudeok avec celle-ci devrait être impossible. Mais à vrai dire, comprendre le pourquoi du comment n'est pas vraiment une priorité. En revanche, Yeon-cho souhaiterait bien prendre la technique de Jiouka, lequel est ravi de pouvoir aider. De retour à la forteresse, Jiouka s'apprêtait à faire une démonstration de ses capacités. Les membres de son clan le regardaient attentivement, certains avec choc. Son mouvement était d'une élégante violence qu'il n'avait jamais vue. La séquence qu'il réalisait était d'une précision sans faille, ses coups d'une puissance infinie. Rien ne pouvait lui résister, pas même les plus solides armes. Jiouka, le sourire aux lèvres, leur demande si c'est tout ce qu'il souhaitait leur montrer. Ses camarades en gobaient les mouches avant de se ruer vers leur jeune héros. Il est un vrai prodige. Était-ce réellement la technique du second frère Gomyung? Qu'il la leur apprenne? La seule fille du groupe, Chaeyeon, ne pouvait s'arrêter de complimenter Jiouka sur sa technique. Il était assez gêné d'une scène comme ça. Ses aînés contemplaient le petit ménage. Ils avaient quand même une question qui trottait dans leur esprit. Mais qui est ce gosse? La vallée des cinq pics. Un homme hurlait sur le petit comité de bandits. Comment un médiocre comme lui ose-t-il s'opposer à lui? Il va goûter à son épée. Jiouka était presque ennuyé de voir un adversaire si faiblard s'opposer à lui. Il évita sans effort son coup avant de contre-attaquer en brisant sa lame d'un coup. Son adversaire devait s'avouer vaincu. Toute l'automne jusqu'à l'hiver, Jiouka était en mission pour briser l'âme d'épéiste de quiconque lui résistait. Aucune escorte de l'Union des Marchands ne pouvait lui faire face. Il était simplement trop fort. La réputation du jeune garçon ne cessait de croître au fur et à mesure que les cinq pics devenaient la place forte de la région. Son infâme prestige était devenu légion. Le soir, ils étaient réunis autour du feu. Personne ne comprenait réellement ce qui était en train de se passer. Sans doute, le prestige que Jiouka apportait à leur nom en était la cause. Jour après jour, de nouvelles têtes se présentaient au fort. Leur rêve n'était autre que d'intégrer la nouvellement prestigieuse forteresse de la Forêt Verte. Avec eux, ils seraient 25. Que devrait-il faire? 3 mois passèrent, ce qui laissa la forteresse le temps de croître et de devenir un réel monument de la province des Nans. Toutefois, au fur et à mesure que la forteresse grandissait, certaines figures apparaissaient avec leurs propres intentions. Dans un petit cabanon à l'écart, 2 hommes discutaient. S'ils faisaient tomber le numéro 7, la voie est libre. Et il s'agissait du numéro 29, Wang Yomyung. L'homme face auquel il était prosterné lui explique que d'après ses connaissances, le chef Yeon-cho utilise la technique de l'épée du paradis et de la terre, là où le vice-chef Gomyung utilise celle du tueur de démons. Comment les chefs de la forteresse pourraient-ils utiliser des techniques aussi médiocres? Cet homme, c'est le numéro 26, l'épée du Nord Gumil, Shim Yang-gak. Se frottant son élégante moustache, il ne parvenait à comprendre comment des médiocres comme eux ont pu être admis au sein de la Forêt Verte. Mais Yomyung lui demande ce qu'est la Forêt Verte.
Yangak lui hurle comment il ne peut savoir ce qu'est la forêt verte alors qu'il est un bandit des montagnes. Celle-ci est le rêve de n'importe quel bandit des montagnes. Les mendiants ont la secte des mendiants là où eux ont la forêt verte. Le chef de celle-ci n'est autre que l'impitoyable seigneur démon, le destructeur des cieux. Son niveau est tel qu'il rivalise sans aucun doute avec les grands chefs des clans du Murim. C'est pour cela que lui, ancien membre des sectes non orthodoxes, est venu ici. C'est pour rejoindre la forêt verte. Comme ça, jamais il n'aura payé hommage à ces bâtards orthodoxes. Son acolyte s'excuse platement de son manque de connaissances pour ce qui est du Murim. Ceci dit, et comme il lui a expliqué, ça devrait être plutôt difficile d'être reconnu comme membre intégrant de la forêt verte. Alors comment les têtes des 5 pics et leur misérable niveau ont-ils pu être acceptés? Serait-il possible que Jioka soit plus puissant encore qu'il n'en ait l'air? Yangak était dubitatif. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais il ne l'a jamais vu en action pour autant, compte tenu de leur temporaire arrêt de patrouille des suites de la difficile météo. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Qu'importe le niveau de Jioka, il n'aura pas la moindre chance contre l'épée du Nord Gumil. Celui-ci peut tenir tête au maître des 5 grands clans. De nouveaux instigateurs de révolte venaient de rejoindre le mini-comité. Avait-il de bonnes nouvelles? Eh bien, il se trouve que la croissance de la forêt est parallèle à celle de l'Alliance orthodoxe. Comme il n'y avait pas de forteresse assez solide dans la province des Nanes, il apparaît comme logique que les 5 pics ont bénéficié d'une conjoncture favorable pour rejoindre la forêt verte. Ce qui implique que s'ils sont de la forêt verte dans le nom, ils ne sont qu'un pathétique groupe de branle-couilles. Le petit comité était bien certain de leur conclusion. De toute manière, ces types déterminent le rang de chacun selon le moment où ils ont rejoint la forteresse. Quel genre de non-sens est-ce là? La forêt verte n'est pas un endroit pour ce genre de médiocre. La confiance était absolue. Les vieux maîtres étaient à la tête de la rébellion. Pour sûr, leur sous-fifre se chargerait de leur octroyer une place au sommet de la forteresse des 5 pics. Ils ont la chance de leur côté. Et dire qu'ils prendraient la tête d'un bastion de la forêt verte si facilement, c'en est risible. Il est dit que la force est tout ce qui compte pour déterminer son rang au sein de la forêt verte. Dans ce cas, son frère d'armes Baek et lui, les démons notoires de la province des Nanes, feront de bien meilleurs leaders que les pleutres actuels. Han Chaeyeon faisait délicatement la vaisselle. Elle évoquait à Jioka le combat de rang demandé par les nouveaux membres de leur clan. Lequel coupait tranquillement du chou lui demande où elle veut en venir. Elle espérait qu'il les punirait bien comme il le mérite. Celui-ci lui demande pourquoi. L'avait-il méprisé ou bien? Oh non, bien pire. Chaeyeon les avait surpris en train de dénigrer le chef. Il rigolait de sa technique d'épée, le qualifiant de technique du tiers-monde. Jioka ne pouvait croire ce qu'elle venait de lui dire. Elle était terrifiée de sa réaction. Il venait d'agrandir le salon. Il lui demande qui est derrière ses remarques, mais elle n'en est pas sûre. Elle n'a entendu ça qu'en diagonale. Qu'importe, il va obtenir sa réponse lui-même. Dans sa rage folle, Jioka se dirigeait vers le cabanon des rebelles. L'un de ses frères d'armes, Indal, était lui aussi dehors. Il demandait à Jioka la raison de son empressement si tard. À vrai dire, il a entendu que les nouveaux se moquaient du chef, et dans cette optique, il comptait bien les faire parler. Indal lui demande s'il comptait les tuer. À vrai dire, c'est selon le chef avait peur. Ces mots extirpèrent Jioka de sa colère. Comment ça, le chef a peur? À vrai dire, Indal a peur lui aussi. Que ce soit maintenant ou au combat de rang, il craint bien qu'il fasse des nouveaux de véritables légumes. Mais Jioka s'exclame qu'il ne pardonnera à personne d'humilier ses frères d'armes. Au fond, Imdal était heureux d'une telle réponse. Quoi qu'il en soit, et une fois que le froid sera derrière eux, ils pourront retourner dans les montagnes, et puis quoi? Il faudra bien qu'ils puissent user de leurs membres, non? Qu'ils retournent chez lui tranquillement, sinon il attrapera froid. La rage de Jioka ne se tarissait pas, et à ce rythme, le combat de rang sera une vraie purge. Le jour était venu. Yeoncho avait réuni toute la forteresse en l'occasion du combat de rang. Comme ces combats sont occasionnels, il s'agit là d'une opportunité parfaite pour quiconque souhaite monter dans la hiérarchie. Toutefois, certains n'avaient guère l'intention d'essayer. Mais les rebelles étaient prêts à monter. C'est sûr qu'il en faisait des caisses pour un minable dans son genre. Yeoncho était imperturbable. Est-ce que ces 5 gentlemen étaient les seuls à vouloir grimper les rangs? Puisqu'il semble que ce soit le cas, voici les règles. Ils peuvent choisir l'adversaire de leur choix et prendre son rang à condition qu'ils le battent. Néanmoins, à partir du 7e échelon, il faudra affronter tous les membres originaux un par un. Dans ce cas, qu'ils se décident. Leur choix est simple, c'est la première place qu'ils visent. Yeoncho, toujours stoïque, lui demande s'il est sûr qu'il ne regrettera pas son choix. Mais Yangak en rigolait bien. Pourquoi le regretterait-il? Eux 5 sont de puissants maîtres d'arts martiaux de la province des Nanes. Pourquoi aurait-il peur d'un pitoyable colporteur de drogue? Ils se moquaient tous bien du passé du chef des 5 pics et de sa technique du paradis et de la terre. Gomyung était au bord de la rupture de nerfs, mais Yeoncho lui dit de ne rien faire d'inconsidéré. Le très peu vénérable Yangak venait de cracher en face du leader de la forteresse. C'était là une véritable offense. Il trouvait le temps un peu frisqué et puis... Il a faim alors qu'ils terminent leurs affaires rapidement. Gomyung hurla à son chef de faire d'eux un exemple pour le reste de la forteresse. Le numéro 7, Jioka, enragé en silence. Il était le premier à abattre pour monter. Cela dit...
Il était prêt. Les vieux maîtres riaient bien de leur confiance aveugle en un misérable gosse. Grâce à eux, le monde ouvrira les yeux sur lui, comprenant enfin à quel point sa légende est exagérée. Leur confiance faisait ainsi face à l'écrasante puissance du jeune prodige. Parlant de confiance, pouvait-on encore dire qu'ils étaient en position de force? Ils n'avaient jamais vu Jyoka se battre et il va sans dire qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça. Le pauvre, sa colère était si forte qu'il était en train de mourir en essayant de la contenir. Sa soif de sang était palpable. Lequel de ses détritus voulait prendre sa branlée en premier? Il était prêt à se battre. À vrai dire, il n'attendait que ça. Alors, lequel voulait y aller en premier? Les deux anciens se retournèrent instantanément vers l'un de leurs subordonnés. S'ils y allaient en premier, ça ne serait... comment dire? Ça ne les mettrait pas en valeur, voilà tout. Ils se faisaient littéralement dessus. Ça n'est pourtant pas ce qu'ils avaient dit plus tôt. Dans ce cas, qui irait en premier? Lui ne se sentait pas particulièrement en forme non plus. Son estomac était à l'envers depuis... environ 5 minutes. Au fond, il voulait éviter à tout prix le combat. Son instinct lui hurlait de ne surtout pas se jeter dans la gueule du loup. Il doit observer la situation. L'un de ses collègues venait de le pousser vers l'arène. En bref, il était foutu. Ah, il ne peut fuir la queue entre les jambes, sans quoi son rang sera ridiculement bas. De toute manière, Jyoka n'est connu que pour son talent à l'épée. S'il n'en utilise pas, il a une chance. Il tente son coup de poker. Ils se nomment Chun Ilbo. Comme ils ne sont pas réellement ennemis, ils n'ont qu'à se battre avec leurs poings. C'est tout ce qu'ils voulaient. Il s'élance à une vitesse folle sur Jyoka, lequel contre-attaque sans aucun effort et envoie d'un coup son adversaire au tapis. Ils étaient foutus. Que le suivant se ramène. Voici Yeom Sawong. Lui aussi se battra à main nue. Aucun problème. Wang Yomung. Il utilisera une arme. Jyoka lui demande s'il ne croit pas qu'il s'agisse là d'une bien mauvaise idée. Oh, c'en était bien une. Au suivant. Les deux anciens devaient bien faire face à la réalité. Leurs sous-fifres se sont fait démolir en un clin d'œil. Il est beaucoup plus fort qu'ils ne l'imaginaient. Jyoka les attendait. Quand est-ce qu'ils allaient se ramener? L'un d'eux essayait minablement de gagner du temps. Ils doivent encore se décider quant à qui va en premier, ne sachant pas lequel d'entre eux a le rang le plus élevé. Cela dit, Jyoka n'en a rien à carrer de ses élucubrations. Qu'ils viennent en premier, ils fulminaient. Ce gamin est devenu bien arrogant. Il est certes fort, mais il a une cartouche secrète. Voici Baekgyo. Il n'utilisera pas d'épée contre quelqu'un qui est de la même forteresse que lui. Dans ce cas, Jyoka n'utilisera pas la sienne non plus. Le vieil homme était ravi. Son plan avait marché. Armé de son éventail, il s'élance sur sa proie, laquelle part son cou sans sourciller. Baekgyo lui hurle qu'il n'a plus l'air aussi serein et confiant que son hautaine aura le suggérait il y a quelques instants. Yangak retrouvait un vague sourire. Ce vieux sournois était devenu un maître à l'aide de son éventail. Le combattre sans armes quand lui est équipé est une véritable sentence à la mort. Il avait réussi à faire trembler le cataclysme Jyoka. Cela dit, celui-ci n'était pas dupe. Ça n'est pas un éventail normal. Il mérite vraiment une sacrée branlée. Baekgyo commence à douter fortement. Il peut briser des roches avec son éventail, alors comment ce gamin lui résiste-t-il? Vieille merde. C'était le petit nom que Jyoka avait décerné à son assaillant. Ne sait-il pas ce qu'un combat équitable signifie? D'un simple coup, le vieil homme venait de se faire atomiser. Tout le clan était sous le choc. Jyoka était toujours debout. Inflexible, il n'avait pas encaissé le moindre dégât. Bref, il en reste encore un. Jyoka lui demande s'il compte bien utiliser une épée. Le vieil homme était sidéré. Il avait détruit Baekgyo sans effort et désarmé. Il est beaucoup plus fort que les rumeurs laissent entendre. Qu'il attende juste un instant. Yangak lui crie qu'il n'a aucune intention de continuer. Il est certes difficile de déterminer lequel de lui ou de son acolyte Baekgyo est le plus fort, mais qu'importe. Il implore de l'épargner, mais Jyoka ne comptait pas épargner ce vieux débris. Qu'il inscrive ça dans sa mémoire. S'il ose lever la main sur l'un de ses frères, c'est à mort qu'il rencontrera. Le vieil homme était touché dans son ego. Ce gamin ne faisait pas que lui manquer de respect, mais il va aussi devoir se taper ses guignols comme supérieur. Jyoka lui demande où est sa réponse. Yangak se prosterne sans hésiter. Il se pliera sans doute à ses conditions. Le combat terminé, il était l'heure du repas pour le petit groupe. Yangak bouillonnait sur place. Sa revanche, il l'aura.
au village d'Eija se trouvait l'Union des Marchands. Qu'il se décale, il doit voir le maître au plus vite. C'était une catastrophe. Les rumeurs, elles sont vraies. Chimiangak et Baekgyo étaient bien présents à la forteresse des Cinq Pics. Ils ont été vus en sortir. Le maître en avait pourtant le sourire aux lèvres. Si le monde apprenait que deux des trois démons de la province des Nains avaient rejoint la forteresse, il y aurait un nouvel et conséquent afflux de membres pour eux. À vrai dire, pléthore de marchands déjà été affectés par les brigands, et ce dès l'automne. Cet homme, c'est Limuriang. Il demanda au messager qui des deux était devenu chef de la forteresse. L'homme était assez gêné. À vrai dire, le chef n'a pas changé. Il s'agit toujours de Pong Yeongcho, lequel utilise la technique de l'épée du paradis et de la terre. D'après les rumeurs, les deux auraient perdu dans le combat de rang. Limuriang ne pouvait y croire. C'est tout bonnement impossible. L'information est sans aucun doute fausse. Cela dit, ils sont déjà plus de 30, et avec les deux démons dans leur rang, ne devrait-il pas faire quelque chose? Le maître n'était guère craintif. Il n'y a rien de mal à ça. Il a toujours été gêné par ces deux-là. De plus, il a toujours haï le fait d'être l'un des grands démons des Nains avec ses deux guignols. Cela ne fut aucun sens qu'il soit placé dans la même phrase que Limuriang et son illustre nom. De plus, ils ne peuvent plus se permettre de laisser les bandits des Cinq Pics continuer de troubler leurs affaires. Ils ont officiellement franchi la ligne rouge. Dans ce cas, il fera d'une pierre deux coups en se débarrassant des deux vieux débris et des agaçants bandits des montagnes. Ceci étant dit, ils ne doivent pas les sous-estimer non plus. Certes, mais l'inverse est également valable. L'Union des Marchands de Nanyang ne doit absolument pas être sous-estimée. Son messager a bien parlé de 30 hommes. Ils en ont 3 fois plus. Au soir, à la forteresse des Cinq Pics, chacun suivait son train-train quotidien. Jioka polissait soigneusement sa lame. L'un des nouveaux qu'il avait violenté au tournoi de rang lui apportait gentiment de l'eau. Il lui témoignait tout son respect pour avoir vaincu seul deux des trois démons des Nanes si facilement. Jioka lui rétorque que ça n'est rien. Après tout, ils étaient vraiment faibles. Cela dit, il ne pouvait s'empêcher de demander à notre protagoniste quel intérêt il avait à faire de son épée une arme si visible et proéminente. Eh bien, il se rappelle d'un dicton qui disait que les maîtres d'arts martiaux étaient capables de trancher un homme armé d'une seule feuille. Il s'est rappelé de lui quand ces mots lui sont revenus. Jioka était sidéré d'un tel dicton. Il ne l'avait jamais entendu auparavant. L'homme s'excusa de l'avoir ennuyé avec ses élucubrations et le remercie pour son travail. Mais Jioka n'était pas du même avis. Un maître pourrait couper un homme avec une feuille. Ça lui paraissait incroyable. Plus encore, c'est inconcevable. Mais quand est-ce qu'il aura le niveau pour accomplir un tel exploit, si quelqu'un d'aussi talentueux existe? Pour sûr, il aimerait le rencontrer. En pleine nuit, alors que les gardes somnolaient paisiblement, l'un d'eux se dirigeait vers les remparts pour faire la relève. Il était en pleine forme. Du feu. Il avait du feu dans les yeux. Une salve de flèches enflammées s'abattait sur la forteresse. C'était une embuscade ennemie. Les soldats étaient désarçonnés. Que se passait-il? L'enceinte brûlait de toutes parts. Jioka bouillonnait de colère. Le chef Yeongcho faisait lui aussi face au désastre. En tant que leader, il hurla à tout le monde de se ressaisir et de rester calme. Il se prépare à combattre. L'un de ses frères d'armes lui dit qu'à ce rythme, tous les murs auront brûlé. Dans ce cas, mieux vaut qu'il sorte les affronter pour éteindre le feu en vitesse. Yeongcho connaissait forcément bien les lieux. Il n'y a qu'une seule entrée vers la forteresse, et tout logiquement qu'une seule sortie. Cela dit, s'ils sortent, ils seront comme des plots attendant de se faire trancher par l'ennemi. Et s'ils restent dans l'enceinte, le feu les consumera. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils seraient comme des lapins fuyant leur terrier à cause de la fumée pour simplement se faire attraper par le chasseur. Yeongcho était convaincu que ses ennemis ne penseraient pas qu'ils seraient si intelligents. Que personne ne sorte, tel est son ordre. Que chacun garde sa distance avec le feu et qu'il construise un second mur sans attendre. Jioka, l'épée à la main, ne pouvait rester là à rien faire. Comment osait-il mettre la forteresse en feu? Qu'importe qui ils sont, qu'ils l'attendent. Les premiers remparts avaient brûlé pourtant. Ils étaient toujours debout. Ils se devaient de concéder que pour des bandits des montagnes, ils sont plutôt bons. Qui plus est, personne n'a essayé de fuir malgré le feu. C'est dommage. Et dire que leur calvaire aurait pu s'arrêter dès maintenant. Eh bien, ça ne change pas grand-chose pour Limuriang. S'ils veulent jouer à ça, ils joueront. Il est le leader de l'Union des Marchands. Ses acolytes étaient ravis d'avoir un supérieur aussi compétent. Celui-ci avait un sourire des plus narquois. Ils n'ont même pas besoin de lever le moindre petit doigt pour les détruire. Une fois que les murs seront tombés, ils profiteront de leur supériorité numérique pour les... Ce qu'ils voyaient, ils ne pouvaient en croire ses yeux. Quand avait-il fait ça? Il y avait un second mur. Que devraient-ils faire? Ils n'ont plus d'huile. Leur stratégie de flamme s'est soldée par un échec. La fierté de Limuriang avait pris un vilain coup. Que tout le monde se calme. Il avait anticipé un résultat comme celui-ci. Comme ces piètres bandits ont usé de leur cerveau, il va utiliser une autre stratégie. Dans le fort, on espionnait le camp adverse. Quelle stratégie allait-il employer maintenant que la première s'est avérée vaine? Celle-ci est plutôt simple.
violence et destruction. Un homme avec sa hache se dirigeait vers eux. Que devait-il faire? Lémurion avançait seul avec confiance. Qu'est-ce que les cinq pics devraient faire? Goose était persuadé qu'il avait quelque chose à l'esprit. Jamais il ne détruirait le mur seul. Yangak regardait à travers la fente. Cet homme, ne serait-il pas l'épéiste des cieux Lemuriang? Il avait compris face à qui il faisait face. À la terrifiante union des marchands de Nanyang. Il est le chef de l'union et l'un des trois grands démons des Nan. Jioka, qui s'était contenu jusqu'alors, était impassible aux inquiétudes du vieil homme. Cela voulait dire que le leader de leurs assaillants était juste derrière ces murs? Dans ce cas, Lemuriang ne supportait pas l'humiliation que ces bandits lui avaient fait ressentir. Comment osait-il? Ce n'est pas un pauvre mur en bois qui le retiendra. Un coup de hache, c'est tout ce qu'il faudra. Sa confiance, elle était prête à s'envoler. Le mur qu'il avait pitoyablement amoché venait d'exploser sous le courroux de Jioka. Lemuriang était sous le choc. Qui est-il? Jioka lui demande s'il est le leader, ce à quoi Lemuriang remarque qu'il n'est qu'un gamin. Son coup, le chef de l'union des marchands le para tant bien que mal. Ce pouvoir, cette puissance, qui est-il? Le recul projeta le démon des Nan quelques mètres en arrière. Tenant sa hache en tremblant, il est sidéré. Il est dans cet état après un simple coup d'épée. Il avait compris. Il est le bandit maître de l'épée des cinq pics. Pour sûr, il ne l'imaginait pas aussi jeune. Jioka lui demande en quoi cela est important. La seule chose qui importe, c'est la brûlante fureur que Jioka s'apprête à libérer. Jioka lui demandait quel minable utiliserait des flèches enflammées quand on a un avantage numérique. Ce à quoi son adversaire lui répond qu'il ne s'agit là que de la très connue stratégie de l'attaque de feu. Très peu pour Jioka. Comment comptait-il les dédommager pour tout ce chaos? Lemuriang était choqué par de tels propos. Dédommager? De quoi parle-t-il? Ils sont ceux qui sont acculés par eux. Qui plus est, ils sont également ceux qui les pillent jour après jour. C'est pour ça qu'ils sont là, pour les dominer tous. Jioka lui rétorque qu'il se contente de leur faire payer un péage, ce à quoi le chef de l'union lui hurle qu'il s'agit de la même chose. Se prennent-ils pour les maîtres des cinq montagnes? Ce à quoi le garçon lui répond calmement que c'est bien le cas. Lemuriang continue dans son monologue. Ils sont ridicules d'avoir de telles prétentions, mais Jioka le coupe. Pourquoi parle-t-il autant? Quand des gens ont un avis qui diverge, n'est-ce pas le plus fort qui a raison? Faiblement confiant et peu convaincant, Lemuriang lui demande s'il croit vraiment pouvoir survivre après l'avoir provoqué. Il a peut-être vaincu Shimyangak et Baekgyo, mais il est bien plus fort que deux. Jioka lui demande quand est-ce qu'il combat dans ce cas. Il est bien trop insolent. Il va lui apprendre à respecter le nom de Lemuriang et de l'union des marchands. Il ne baissera pas sa garde comme les deux autres pitons. Incroyable démon l'ont fait. Qu'importe qu'il soit un enfant ou non, il ne se retiendra pas. Jioka arborait un sourire narquois. C'est marrant. Jusque-là, tout le monde lui a dit ça. Il a intérêt à ne pas baisser sa garde, histoire de pouvoir s'amuser un peu, ce gamin. Même s'il ne supplie, il ne s'arrêtera pas. Les deux titans se faisaient face dans un combat au sommet. Lemuriang n'allait pas se perdre dans des variantes quelconques. Ça sera son coup le plus puissant et il terminera ce combat en un coup. Jioka était subjugué par la technique de son adversaire. C'était la technique du zénith éternel. Jioka s'apprêtait à parer. Le sourire aux lèvres, c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'il pensait. Cette superbe technique, il l'avait bloquée d'un seul coup. Lemuriang était ébahi par Jioka. Comment avait-il pu parer ça? C'était son heure. Sa contre-attaque avait repoussé violemment son adversaire. Jioka lui dit qu'il est plutôt bon. Cela dit, sa technique, il l'a trouvée plutôt intéressante. Intéressante. Lemuriang trouvait son choix lexical absurde. Le zénith éternel de l'art de la secte du Mont Hua. Il n'y a aucune chance qu'un pauvre bandit puisse la bloquer. Il lui demande en hurlant qui il est, quel art martial il utilise. D'où il vient? Eh bien, il n'a rien de la sorte. Quant à son art, il s'agit de la technique de tueur de démons. C'est son frère d'armes qui le lui a appris personnellement. Le maître de l'union lui demanda de répéter. La technique de tueur de démons n'est qu'une vulgaire technique apprise dans les temples. Jioka lui confie qu'elle est réellement incroyable. À vrai dire, personne n'a tenu plus d'un mouvement sauf lui. De plus, il a trouvé sa technique plutôt amusante. Pourrait-il l'imiter? Lemuriang lui demande s'il est réellement sérieux. Il est bien trop arrogant. Qu'il essaye!
Sa technique requiert un entraînement infernal pour apprendre les 1000 variations et mouvements qu'elle contient. Ça n'est pas quelque chose qui s'apprend aussi simplement comme sa technique de troisième zone. Pourtant, Jyoka ne la trouvait pas si complexe. Tout le monde, dans les deux camps, ils étaient tous aussi sidérés qu'ébahis. Il avait réussi. Il avait copié la technique du zénith éternel. Limurian n'en revenait pas. La technique du zénith éternel est le dernier mouvement de la secte du Mont Hua. Qui plus est, c'est une combinaison secrète. Il s'agit du pinacle du calme. Si ça a l'air d'un simple coup de lame, un millier de changements peuvent être trouvés en ce dernier. La combinaison des 6 mouvements est la base de la technique de la fleur du prunier. À la secte du Mont Hua, cette combinaison se doit d'être enseignée aux disciples de la secte principale et aux externes. À vrai dire, même les disciples de la secte principale ont du mal à percer ce mystère. Néanmoins, Limuriang était capable de la comprendre malgré le fait qu'il fût un disciple externe. Il est ainsi devenu un maître des arts martiaux, lequel a soumis la province d'Henan à une vitesse éclair. Tous ses efforts, toute sa fierté, a été balayée en une maigre seconde. Ce n'est pas une technique que l'on peut apprendre d'un simple coup d'œil. Devait-il continuer? Il doit garder son calme. Il connaît la technique mieux que quiconque. Il n'y a qu'un seul vrai corps. Celui tout à l'arrière est le vrai. Alors pourquoi? Pourquoi Limuriang venait de se faire trancher de toutes parts? Tous ses coups, tous ses corps, ils sont vrais. Ce n'est pas que de l'imitation. Son niveau est encore plus haut que le sien. Limuriang était tombé. Et ce, à la grande surprise de Jyoka. Était-ce déjà fini? Comment pourrait-il s'effondrer avant même qu'il n'ait fini sa technique? Avait-il fait un malaise? C'est pitoyable. Et dire que Jyoka va devoir lui prendre sa tête d'une manière aussi risible. Limuriang n'était pas mort. Cela dit, il était incapable de bouger son corps. Il hurle à Jyoka de l'épargner. Plus jamais il ne touchera la forteresse. Jyoka lui demandera ce qu'il se passera s'il revient. Il jure sur son bras droit que jamais, jamais il ne reviendra. Le jeune garçon lui dit qu'il a intérêt à tenir sa promesse. Le clan des 5 pics exultait de joie. Jyoka était vainqueur. Il l'encerclait. Qu'est-ce que c'était que ça? Une technique clone? De l'autre côté, l'union traînait misérablement son leader. Limuriang n'en revenait toujours pas. Sa force est absolument impossible. Un espion avait regardé le combat. Il restait muet du spectacle auquel il avait assisté. Si l'on exclut les petites unions de marchands autour de la province d'Henan, 3 des plus grandes se sont effondrées une à une. Jusqu'à ce qu'ultimement, l'union des marchands de Mansu ainsi que celle de Nanyang qui se partageait la province d'Henan à eux deux s'effondre. L'homme expliquait qu'en somme, il y a eu un changement dans la répartition des puissances au sein de la province. Un de ses collègues enrageait. Les péistes des cieux avaient réellement été vaincus? Personne ne pouvait croire qu'un simple bandit pourrait le vaincre. Les rumeurs avaient déjà commencé à se propager jusqu'aux hooligans du village de Heijia. Avec ça, les 5 pics risquent fortement de se renforcer plus encore et d'accroître leur nombre. Il vaudrait mieux pour eux les attaquer sans trop tarder, sans quoi ils seront imprenables. Cela dit, il y a bien un certain nombre de problèmes qui se posent à eux. Primo, ce jeune bandit est plus que probablement l'illustre disciple du commandant en chef de la forêt verte, le seigneur démon destructeur des cieux. Sans quoi il serait tout bonnement impossible qu'il soit si fort. Un de ses collègues lui concède que ça tombe sous le sens. Il est apparu au même moment que le seigneur démon souhaitait étendre l'ère de domination de la forêt verte. S'il est réellement son disciple, il vaudrait peut-être mieux se tenir à l'écart de ce dernier. Ce discours pessimiste, il ne pouvait plus l'entendre. Comment pourrait-il partir la queue entre les jambes face à ces bandits? Ont-ils la moindre idée de ce qui se passera s'ils font cela? Les marchands de Mansu deviendraient la risée des nanes. Pensent-ils réellement qu'ils auront un futur radieux s'ils deviennent une blague à grande échelle? Cet homme, c'est l'épéiste de la tornade, Sang Mechun, le leader de l'union des marchands de Mansu. Cela dit, c'est bien beau de s'énerver, mais que peuvent-ils faire? N'est-il pas lui-même au niveau de l'épéiste du paradis? A-t-il le moindre moyen de s'occuper du jeune bandit? À ces mots, il en resta silencieux. Pour sûr, il n'en a pas. Ce gamin est un tout autre niveau du sien. S'il ne l'avait pas espionné au préalable, il aurait chargé de la même manière que Limuriang pour un résultat tout aussi triste. Ce gosse, sans doute, il doit être le disciple du seigneur démon. Mechun ne se calmait que difficilement. Il demande à ses associés de lui apporter les précieuses feuilles de thé de Longjing. Il compte se rendre à la province du Guang. Mais on le supplie de rester. Ça lui prendra une éternité de se rendre aussi loin. De plus, l'union va sombrer un peu plus dans la crise en l'absence de leurs dirigeants. Il exaspère. Est-il idiot? Ou bien a-t-il oublié ce qui se trouve dans la province du Guang? Il mit bien une seconde avant de comprendre.
la montagne Wudang. Eh oui, il est peut-être un disciple externe, mais il a quand même appris les arts martiaux de la secte de Wudang. Son maître n'est autre qu'un vieux sage de la secte de Wudang, le sage Chen Ji. Ses collègues étaient choqués. N'est-il pas le maître reconnu même au sein de la secte Wudang? Oh si, et il est reconnu pour être un excellent enseignant. Il commençait enfin à réfléchir. La secte de Wudang est l'une des 10 plus puissantes. Les disciples directs de sectes comme celle-ci sont à un niveau stratosphérique. S'il arrive à convaincre son maître de lui envoyer quelqu'un, le jeune bandit qu'il craigne tant ne fera pas long feu. Même s'il est réellement le disciple du seigneur démon, il est bien trop jeune et trop inexpérimenté pour avoir la moindre chance face à un disciple de la secte de Wudang. S'ils arrivent à le faire tomber, ça sera fini les 5 pics. Le soleil tombait paisiblement sur la petite ville. Une fille criait de joie face au délicieux mets qui se dressait devant elle. D'après qu'il s'agit là du meilleur restaurant de la ville d'Eija. Pour sûr, ça a l'air exquis. Commander tout ce qu'elle voulait avant de mourir, c'était l'un des rêves de Chaeyeon. Son acolyte était tout aussi ébahi par ce qu'elle avait devant les yeux. Mais pouvait-elle réellement y toucher? Évidemment! Elles sont venues accompagnées du plus puissant guerrier de toute la province des Nan, Yeon Jeoka. Celui-ci, dans sa candeur éternelle, ne pouvait concevoir qu'il était le plus fort. Après tout, il y a le chef. Mais la fille lui rétorque que tout le monde le dit, même les enfants. Il n'y a aucun doute, il est le plus fort des 5 pics. Tout de même, il trouve cela bien exagéré. De manière à changer de sujet, était-il vraiment une bonne chose pour lui de porter des vêtements aussi chers? Ne devrait-il pas faire attention à leurs dépenses compte tenu de la quantité de nouveaux membres à la forteresse? Elle lui rétorque que non, c'est tout à fait normal. Il a fait gagner tant d'argent à leur clan que c'est bien le minimum qu'il mérite. La jeune fille brune lui dit que tout le monde à la forteresse est sans aucun doute reconnaissant pour son travail jour après jour. S'ils peuvent se permettre de dépenser autant, c'est parce que le second frère Gomyung leur a accordé cette bourse pour qu'ils puissent se détendre. Il n'avait qu'une mission, remplir l'estomac de Jeoka et l'habiller de la meilleure des manières. Il était surpris d'apprendre que le second frère avait dit ça. Chaeyeon est sans équivoque. Il a dit de profiter de la journée un maximum avant de rentrer. Dans ce cas, qu'il mange. Cela dit, il n'avait jamais vu la jeune fille brune avant. Il lui demande comment elle s'appelle. Celle-ci se dénomme Hasobaek. Elle les a rejoints il y a une semaine. Chaeyeon lui demande s'il ne la trouve pas jolie lui aussi. Toute la forteresse était en émoi à sa vue. En réalité, elle est même reconnue pour sa beauté au sein du village d'Eija. Mais Sobaek, gênée par une telle discussion, lui dit que ça n'est pas le cas. Mais elle continue de se faire taquiner. Des bruits courts comme quoi elle n'aurait été acceptée que parce qu'elle est populaire. Il se trouve que Sobaek avait pris la fuite après qu'un hooligan assez renommé s'était mis en tête de la marier. Et il l'avait même menacée. Alors que le petit groupe continuait paisiblement sa discussion, un homme se dirigeait vers eux. Celui-ci, arborant un sourire malsain, dit à haute voix, d'un air tout aussi malveillant qu'il lui a déjà dit que si elle avait le moindre problème, elle n'aurait qu'à le lui dire. Quoi qu'il en soit, il savait maintenant pourquoi ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vue. Sobaek en tremblait. Sans surprise, c'est bien de cet hooligan dont il parlait. Sobaek le lui confirme. L'homme lui dit qu'il trouve ça bien triste qu'elle le prenne pour un vulgaire hooligan. Chaeyeon ne mâchait pas ses mots. Elle avait bien pensé à foutre une raclée à ce détritus, mais s'il pouvait se casser sans faire d'histoire, ça serait aussi bien. Il se trouve que ça l'embêterait de renverser une table avec de si bons mets encore intacts dessus. Et puis, il n'a sûrement aucune envie de mourir maintenant. Le vieux hooligan se riait bien de ses menaces. Lui, mourir maintenant? La bonne blague! Sobaek n'allait-elle pas lui expliquer à quel point il peut être terrifiant? Enfin, il vaudrait mieux pour sa future épouse d'arrêter de fuir. Sa patience a des limites. Sa main, il la posait bien trop facilement. Suffisamment pour que Jeoka lui ordonne de s'arrêter sur le champ. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Il va ainsi compter jusqu'à 10. S'il est parti d'ici là, il l'épargnera. Le hooligan lui demande si ce gamin s'adressait réellement à lui de la sorte. Jeoka s'était mis à compter, ce qui faisait enrager peu à peu son inattendu antagoniste. Ce Ren, Chaeyeon l'avait prévenu. Il va définitivement crever s'il reste là. L'homme lui demande d'un ton sévère d'arrêter de jouer les prétentieuses. N'a-t-elle pas entendu le nom de Gwa Kyongchul du village d'Eija? Non, jamais. Par contre, lui non plus ne semble pas savoir qui ils sont. À bout de nerfs, l'homme lui confie que non, en effet. Alors qui était-il pour cela jouer comme ça? Ils sont de la forteresse des 5 pics et celui qui est assis en face d'elle n'est autre que le fameux bandit doué avec l'épée. L'homme avait compris sur le tard. Le compte à rebours de Jeoka arrivait à sa fin. L'homme lui demande d'attendre, mais c'est trop tard. Jeoka avait levé les yeux. À ce qu'il voit, l'homme n'était toujours pas parti. D'un coup de pied autant la table que l'homme avait volé. Le dernier en crachait du sang. Le coup était parti à la vitesse de l'éclair. Tout avait été balayé. L'homme, la table, les plats, le restaurant, et ce, devant le regard ferme d'un bien mystérieux homme. D'un coup de pied, il déploya une énergie folle et calma les ardeurs de Jeoka. Qui était-il donc ?
Gioka s'était arrêté. Les deux hommes étaient immobiles dans un silence froid. La capuche de l'homme tomba, révélant un visage incarnant la terreur. Le soir tombait sur le village. Un homme en demanda un autre, pourquoi est-il venu sans prévenir quiconque? S'il avait été mis au courant, il serait venu le chercher. L'homme continue son monologue face au mutisme de l'autre. Il n'a qu'à attendre un instant, le temps qu'il puisse faire venir un convoi à chevaux pour aller tranquillement à l'union des marchands. Sangmuchen était curieux quant à la raison derrière la venue personnelle du sage Chenji, l'un des anciens de la secte de Yudong. Le représentant de l'association des marchands suivait difficilement son maître. Où allait-il donc comme ça? Mutune était en train de devenir fou. Pourquoi une personne du calibre de l'ancien Chenji était venue directement? Cela dit, un ancien de la secte de Yudong est d'un tout autre calibre encore que la venue d'un disciple direct. Mais si les gens apprennent que le sage Chenji s'est déplacé personnellement pour calmer l'ardeur d'un simple bandit, au moment où il ressassait les potentielles implications qu'un déplacement de la sorte pourrait avoir, il entendit trois médiocres discuter dans leur coin. Ils étaient persuadés que Mutune est terrorisé du dit bandit déçu de la défaite de Li Muriang en un coup. Les rumeurs sur la venue d'un ancien de Yudong s'étaient déjà propagées, ce n'était pas bon pour son image. Toutefois, n'est-ce pas minimum le témoin du prestige de l'union de Mansu de pouvoir faire venir un ancien de Yudong? Mais on lui dit que non. Après tout, Mutune est un disciple externe de la secte. C'est pire que ça. Il s'est juste fait dessus face à un jeune bandit et est allé se réfugier auprès de son maître. Il se la joue, mais au fond, il est bien pathétique. Ses mots avaient le don de faire enrager le maître de l'union qui avait surpris la conversation. L'ancien était sorti de son silence pour témoigner de son incompréhension quant à la colère que Mutune ressent face à des ragots de marchands. Il a encore beaucoup à apprendre. De son maître, il en était terrifié et s'excusa platement. Dans ce cas, qu'il aille s'isoler pour entraîner son esprit et son corps. Il le fera. Mais le maître est surpris dans son enseignement par un puissant coup. Celui-ci était d'une puissance monstrueuse. L'antagoniste avait accusé le coup. Gioka venait d'atomiser le hooligan d'un coup de pied. Cet élan de violence est interrompu abruptement par la présence du sage Chenji, lequel faisait face à Gioka. Les deux hommes se regardaient d'un sérieux implacable. Le restaurant venait d'être ravagé. Absent lors de l'action, Mutune essayait tant bien que mal de retrouver son maître dans le vacarme ambiant. Il l'avait reconnu. Le bandit des cinq pixies craint était là. Mutune était bien surpris par l'aura du gamin. Autant celle-ci que sa couleur de cheveux n'est pas quelque chose de commun dans les environs. Le chef des marchands venait d'hurler à son maître que c'était lui l'infâme bandit. Mais le sage lui dit d'arrêter son vacarme. Le vénérable Chenji se revêtit de sa capuche et confirma à son disciple qu'il avait raison. Les rues ici sont peu ragoûtantes. Qu'il prépare le convoi. Gioka n'avait pas dit le moindre mot depuis l'arrivée du sage. Il sentait bien la sinistre énergie émanant du vieil homme. De leur côté, les camarades de Gioka lui demandaient comment pouvait-il se permettre de démolir toute la place. Qui plus est, quand leur chef leur a demandé de ne pas causer le moindre trouble, histoire de maintenir une bonne réputation. Les réparations vont leur coûter un bras. Ça n'est pas de sa faute. Ce type l'a mis en rogne. Et puis il lui a bien donné 10 secondes pour décamper. Dans ce cas, autant rester là. Mais il aurait quand même pu s'abstenir de démolir la table avec. Comment sont-ils supposés manger maintenant? Même s'il dédommage le gérant, il n'est que peu probable qu'il leur serve à manger après ça. Mais pour ce qui est de cela, il est prêt à s'en occuper. Mais ne lui a-t-elle pourtant pas dit à l'instant qu'il devait maintenir une bonne réputation? Il a réponse à tout. Ce type était beaucoup plus faible qu'il ne le croyait. Ce à quoi on lui répond qu'au contraire, il aurait été étrange qu'il tienne le moindre de ses coups. Elle ne savait plus quoi faire. Logiquement, il devrait leur rester encore assez pour se payer un peu de soupe de riz une fois les réparations financées. Cela dit, ils ne pourront pas acheter de vêtements pour Sobaek. Et dire qu'elle était si impatiente d'essayer une tenue de bandit. Mais elle s'exclame en disant qu'elle n'a jamais dit quelque chose comme ça. Ni une ni deux, elle est passée sous silence. Ils s'en occuperont une prochaine fois. Gioka leur propose d'acheter les vêtements au lieu de manger, mais leurs finances seront très sûrement bien insuffisantes. Mais il se sent coupable. Elle ne lui en tiendra pas rigueur à condition qu'il accède à l'une de ses requêtes. Il est partant. Dans ce cas, il a intérêt à ne pas revenir sur ses paroles. Qu'il leur apprenne ses arts martiaux à elle et Sobaek. De son côté, Mutune insistait auprès du sage Chenji. Ce garçon est le dit terrifiant bandit. Le sage le sait. Mais dans ce cas, pourquoi ne s'est-il pas débarrassé de lui? S'il l'avait fait, ce serait tellement simple pour eux de se débarrasser des cinq pics. L'ancien lui dit qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il est le disciple du seigneur démon. Mutune lui dit que c'est bien le cas. Si les cinq pics ont été admis dans la forêt verte, c'est bien pour son incroyable précocité. Le sage le coupe. Ça n'est sûrement pas le cas.
Jyoka. Si le seigneur démon, destructeur des cieux, avait un prodigieux disciple comme les rumeurs le suggèrent, celle-ci se serait propagée bien avant. Seule sa vanité égale son talent. Il n'y a aucune chance qu'il n'en ait pas parlé avant. Il en avait le sourire. Le sage Chunji ne regrettait pas son voyage. Bien au contraire, qui aurait cru qu'il rencontrerait un génie des arts martiaux dans un tel endroit? Tout cela était de bon augure. Il y a 3 jours, dans les montagnes de Wudang de la province du Guang, plusieurs personnes se dirigeaient en silence à l'intérieur d'un bâtiment reculé. Une femme tenait ce qui semblait être un service. Un homme se grattait la barbe en rigolant. Et il trouvait le paysage toujours aussi beau, qu'importe le nombre de fois qu'il venait. Cela dit, il n'est pas venu les mains vides. Avec lui, il avait les précieuses feuilles de Longjing du lac de l'Est, ses préférées. Il s'agit du leader de la secte de Wudang, le sage Taeo, le Te Longjing. Il savait bien à quel point il était rare. Le fait qu'il ramène quelque chose d'aussi précieux ici signifiait sans aucun doute que le maître avait quelque chose à demander à l'ancien. La candeur du maître est surprenante. Était-ce si évident? Quoi qu'il puisse en être, il avait en effet quelque chose à lui demander. Les marchands ont un problème entre leurs mains. Il se trouve qu'un nombre excessif de bandits se sont regroupés en une place forte du nom de la forteresse des 5 pics. Qui plus est, les récentes activités de la forêt verte ne sont pas à sous-estimer non plus. L'ancien demande au maître si ça ne serait pas quelque peu problématique d'avoir la forêt verte dans les pattes. Mais celui-ci lui répond que ce serait uniquement le cas s'il n'avait pas de justificatif quant à une potentielle intervention. Toutefois, un marchand de l'Union de Mansu, victime des agissements des bandits, semble être l'un de ses disciples externes. Il est d'ailleurs celui qui a amené le thé. S'il envoie l'un de ses disciples pour ramener la paix sur la province des Nan, cela ne suffirait-il pas comme justification? Le sage Chunji lui demande si ce qu'il veut n'est pas simplement de contenir la forêt verte. Précisément, ne se rappelle-t-il pas le cauchemar qui était le culte de la fée lunaire pour le Murim par le passé? Après cet incident, le vieux maître s'était persuadé qu'un renforcement de l'Alliance orthodoxe était une nécessité. La fée lunaire avait usé de son horrifiant art martial pour passer sous son joug l'entièreté du Murim. Quoique pire encore, l'entièreté des terres. Quand bien même l'empereur de l'épée et l'épéiste trancheur de lune ont réussi à protéger le Murim, ils ne peuvent plus simplement se reposer sur leur puissance à eux seuls. Qui peut garantir que le Murim ne fera pas face à l'avenir à une menace comme elle? Comment dire? Le vieux sage ne se sentait pas à l'aise. Cette paix, combien de temps allait-elle encore durer? Les sectes non orthodoxes sont également de terrifiantes menaces pour le Murim. Le commandant-chef de la forêt verte, le seigneur démon destructeur des cieux. Un nombre considérable d'épéistes se sont écroulés face à lui. Son acolyte lui fait remarquer qu'ils sont ensuite devenus un soutien pour ce dernier. Dans ce cas, le vieux maître souhaite-t-il que l'ancien s'occupe de les déraciner? Précisément. Les disciples auxquels il enseigne ont toujours eu à porter une excellente réputation à la secte de Wudang. Ce sera encore une chance pour eux d'étendre leur positive notoriété. Et comme l'influence de la secte de Wudang s'expatrierait dans la province des Nan, ça permettrait de faire d'une pierre 2 coups. Très bien. Puisque c'est comme ça, il a une condition. La soumission de la forteresse des 5 pics. Il souhaite intervenir personnellement. Le maître était sidéré d'une telle demande. Mais le sage se justifie. Cela fait 10 ans qu'il enseigne en cet endroit. Il a vu pléthore de rites et de divinations. Mais à chaque fois qu'il essaye de lire sa propre fortune, il n'a jamais vu de bon augure. Au même titre qu'il n'a jamais vu malchance non plus. Il est ainsi persuadé que son destin est ainsi de vivre une vie dont les hauts et les bas sont absents. Cependant, la fortune de ce matin était différente. Grande fortune. Pour sûr, ceci doit être une opportunité à ne pas rater. Le bandit des 5 pics doué de l'épée. Quand bien même il ne croit pas qu'il est le disciple du chef suprême de la forêt verte, il y a sans aucun doute une énergie différente autour de lui. S'il arrive à l'élever comme un disciple de la secte de Wudang, il pourrait sans aucun doute devenir le plus puissant épéiste au monde. Il pourrait même devenir la lame suprême de Wudang. S'il y arrive, l'influence de la secte percerait les cieux. Aux 5 pics, on s'activait. Les constructions étaient de mise. Enfin, ils avaient fini. Le chef Pong Yeon-cho avait devant lui le pavillon de l'harmonie de la forteresse des 5 pics. Comme celle-ci évoluait à une vitesse folle, la forteresse de Daebyeol les a aidés à construire les bâtiments supplémentaires pour complimenter leur croissance. Pour remplir ces derniers, le chef Yeon-cho avait recruté des charpentiers, des conseillers et avait fait venir leur famille. Les enfants étaient ébahis par le résultat. Il y avait une certaine fierté derrière le stoïcisme du chef des 5 pics. Son second, Gomyung, lui demande pourquoi il est aussi plongé dans ses émotions. Il lui répond tout simplement qu'une scène aussi vivante lui rappelle le passé. Alors que les deux discutaient paisiblement, ils sont interrompus par les cris de Youngdo. Gomyung lui demande
pourquoi il avait couru jusqu'ici de manière aussi frénétique. Ce à quoi il répond en demandant s'ils ont vu Jeoka. Il a entendu qu'il allait apprendre à Cheyenne et Soba avec les arts martiaux. Lui aussi serait intéressé, mais il peine à le retrouver. À vrai dire, il a un carrosse de retard. Ils viennent à peine de partir dans la forêt. De leur côté, Soba avec Cheyenne et Jeoka étaient prêts à commencer. Ils vont débuter par sa technique de respiration. De sorte à y parvenir, elles doivent commencer par mémoriser 300 mots. Jeoka commençait à réciter sa partition. Ceux qui veulent obtenir l'énergie des neuf cieux, vous devez conquérir votre propre cœur. L'énergie des neuf cieux n'est ni tangible ni vide. L'incantation tournait au chinois pour les deux jeunes filles. C'est bien trop dur d'apprendre tout ça. Jeoka leur demande en quoi c'est difficile. 10 ans d'entraînement, c'est sensiblement réglé. Ah, qu'importe, dans ce cas, il leur dit de commencer par fermer les yeux. Ça viendra petit à petit. Elles acceptèrent à reculons. Elles devaient se concentrer sur leur respiration et uniquement leur respiration. Jeoka se demandait si elles y arrivaient bien. Il va sans dire qu'il était surpris. Dans le silence de la forêt de bambou, Cheyenne et Sobaek dégageaient une aura certaine. Elles étaient totalement concentrées. C'était la première fois qu'il voyait d'autres personnes s'entraîner de la sorte. Cette sensation, il allait faire de même. Le soir vint vite pour ceux qui s'entraînent. Cheyenne ouvrait doucement les yeux et demanda à Jeoka s'il ne devrait pas. Elle est interrompue par ce qu'elle vit. Sobaek émergea à son tour, mais sa camarade lui dit de ne pas faire de bruit. La concentration de Jeoka était hors du commun. Il déployait une énergie folle, si bien que son léger corps avait transcendé la réalité. Debout, il se tenait, toujours concentré, l'épée à la main. Il était dans son monde. Dans sa conscience, il maniait l'épée. Ses mouvements étaient fluides. Pas assez fluides pour Jeoka, lequel était agacé de ne pas mieux comprendre son art. Soudain, une voix. Qu'il se calme. Oui, il doit se calmer et se concentrer sur la voix de son cœur. Mais qui était là, à côté de son épée? Celle de son maître. Pour sûr, il s'en souvient. Maintenant qu'il se prépare, côte à côte, les deux s'étaient mis en position. Un mouvement. Il bouge comme s'il ne faisait qu'un seul corps. Les concepts qui lui semblaient vagues à l'époque s'assemblaient un à un. Son mouvement était enfin parfait. Sobaek et Cheyenne étaient sous le choc. Des fleurs de lotus s'étaient matérialisées à travers l'aura de Jeoka, lesquelles s'ouvraient doucement. Sa concentration était un tout autre niveau. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, il était gratifié de l'incompréhension de ses deux camarades. Il leur demande s'il a quelque chose sur la figure, ce à quoi les deux filles lui répondent que non. Rien de ça, mais il y avait une lumière. Il était incroyable, alors elles étaient impatientes qu'il continue à les entraîner. Il leur répondit d'arrêter d'en faire des caisses et qu'à partir de maintenant, elles devront réciter les mots dont il leur a parlé le matin et le soir, le tout en entraînant leur respiration. Elles ne tenaient plus en place. Une fois de retour, le petit comité demanda au chef si la construction du pavillon était complète. Mais celui-ci resta muet. Où est-ce que tout le monde était bien passé? Le chef sortit de son silence et posa une question simple à Jeoka. Le sage Chunji va les attaquer. Alors, que devraient-ils tous faire? La nuit, à l'intérieur du pavillon, ils n'étaient plus aussi nombreux. L'union des marchands de Mansu a réussi à faire intervenir le sage Chunji. Il s'apprête à attaquer la forteresse des 5 pics. Le chef Yeoncho demande placidement à tous ce qu'il compte faire. Imdal dit au chef qu'il vaudrait peut-être mieux prendre la fuite. Il en reste sans voix et demande à Yangak s'il n'a pas une bonne idée. Il en rigole de désarroi. Rien ne marchera contre quelqu'un comme le sage Chunji. Gomyung lui demande fermement ce qu'ils sont censés faire dans ce cas. Ne comprend-il pas? La forteresse des 5 pics est condamnée. Le vénérable Chunji est un ancien de la secte de Wudang. Qui plus est, il est le plus fort de ladite secte. Fut un temps, il était le plus fort de tout Hubei. Chacun de ses disciples sont également incroyablement forts et il demande un moyen d'affronter un tel monstre. La bonne blague! Il peut déjà prier qu'il en ressorte avec la tête encore sur ses épaules. Ne reste alors que la fuite. Mais où? À ce rythme, qu'importe. Un coup! Le chef en avait assez. Qu'est-ce que Jeoka en pense? Tout le monde attendait sa réponse. Mais à vrai dire, il n'en sait rien. Ces mots avaient inspiré le désespoir au sein de la petite tribu. Yangak leur dit que ça ne sert à rien de tergiverser. S'ils restent là, ils sont tous bons pour finir 6 pieds sous terre. Lui en tout cas s'en va. Ils n'ont rien prévu d'attendre la mort ici. Les autres prirent aussi la fuite, laissant peu d'hommes prêts à défendre le fort. Chen Gideok interpelle Li Chul-san. Pourquoi ne partait-il donc pas? Il avait ses raisons. Pour sûr, il se devait de rester. L'homme lui crie qu'il compte y rester pour une pauvre femme. Mais peu importe ce qu'il lui dit, il ne le convaincra pas de partir.
Gideok en rage. Ça ne sert à rien de lui parler. Puisque c'est comme ça, il s'en va. Il n'était plus que 10. Le chef Yeoncho les remercia pour leur fidélité. Il sait pourtant que le choix rationnel est de partir comme Yeongak le leur a dit. Mais il y a ce nouveau pavillon, ces nouvelles bâtisses. Il y a tant de gens qui attendent de retourner à la forteresse. Sur son trône, sa colère s'accumulait. Quand une brise capta l'attention de la petite assemblée. Des feuilles pénétrèrent le pavillon. Celles-ci interpellèrent Jeoka. Une feuille. Oui, c'est tout ce dont il avait besoin. Et il demande ainsi au chef si ce sage, Chun-Ji, est capable de trancher un homme à l'aide d'une simple feuille. Dans la brise de la nuit, Yeongcho faisait face au mur de la forteresse. Une décision devait être prise. Plutôt, au cœur du pavillon, tout le monde était surpris par la question de Jeoka. Le chef n'imaginait pas Chun-Ji capable d'une telle prouesse. S'il n'est pas si fort que ça, ne serait-ce pas possible pour eux de le vaincre? Le choc s'était emparé du petit comité. Yeongcho avait une once d'espoir. Peut-être que Jeoka pourrait le retenir un moment et s'il attaque tous ensemble. Mais les paroles de Yeongak résonnèrent en lui. C'en est terminé de la forteresse des cinq pics. Le sage, le risque qu'il pourrait courir, la mort de tout ce qu'il a pu construire. Le seul moyen de protéger sa forteresse ne serait autre que de conduire ses enfants face à la mort. N'y avait-il pas d'autre moyen? Cela faisait plus ou moins 5 ans qu'ils sont venus ici. Mais c'est cette année qu'ils ont pu recruter le plus de membres et puis construire leur luxueux pavillon de l'harmonie. Ils avaient nombre de bons souvenirs. Autant rester ici. Les plus vieux frères ainsi que les nouveaux membres refusaient de l'entendre dire ça. Chaeyeon est persuadé que Jeoka peut résoudre le problème. Non, ils ne peuvent pas toujours se reposer sur les prodiges du jeune bandit. Après tout, l'on parle d'un ancien des 10 grandes sectes. Sa force transcende sans aucun doute leur imagination. Ils ne peuvent pas faire un tel pari et risquer la vie d'autant de personnes. S'ils se fient à ce qu'a dit Yeongak, ils n'ont pas la moindre chance. Il n'y a qu'une décision rationnelle à prendre. À partir d'aujourd'hui, la forteresse des 5 pics est dissoute. Face à la muraille, la plus rude décision de sa vie n'était qu'à un pas. Il en tremblait frénétiquement. Pourquoi était-il incapable de partir? Son mutisme avait été interrompu par la faiblesse d'une ficelle. Surpris par un bruit, il allait se faire écraser. Mais dans le vacarme de la chute du rondin, l'on appelait le chef. Était-il incapable de faire la moindre chose correctement parce qu'il délègue toujours son travail? Il ne comprenait pas ce qu'il se passait. C'était le second frère, Gomyu, lequel avait réussi à attraper le rondin. Croyait-il réellement qu'ils allaient partir? Tous étaient occupés de soutenir la muraille. Effondrait. Il ne lâcherait rien, au même titre que Jeoka. Celui-ci demanda à son chef s'il allait bien. Il n'en avait pas les mots. Imdal l'interpella. Comment ça, Dissou? Ne s'était-il pas mis d'accord que s'il mourait, ça serait ensemble? Il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Ils sont tous si désobéissants. Le silence de la nuit régnant, tous étaient attelés à reconstruire les murs. Au crépitement du feu, ils étaient soulagés de constater qu'ils avaient encore du matériel en réserve. Ils ont même pu construire le second mur rapidement. Ils devraient être en mesure de se reposer un instant. Le chef proposa aux autres bandits de se relayer à la garde. Quand bien même l'arrivée du sage est prévue pour demain, il pourrait les prendre par surprise. Placidement, tous étaient d'accord. Ta Gomyung, lequel était habitué à vivre dans un temple. Ma Yungdo, un voleur échappé de prison. Et Oh Imdal, un petit voleur notoire. Gok Sanchung et Jang Sobong, des agriculteurs sur Bruli. Tous ont cru en son insignifiante personne, cette famille en laquelle il est si fier. Il n'y a pas de doute, il jouit d'une chance formidable. Gomyung le taquinait gentiment. Était-ce seulement maintenant qu'il le réalisait? Chaeyeon interpella Yeoncho. Maintenant qu'ils ont décidé de vivre ensemble jusqu'à la mort, pourrait-il arrêter de chipoter et de faire de leurs frères d'armes? Le chef demanda à Sobaek et Cholsan si eux aussi souhaitaient la même chose. Sans hésitation, tous deux répondirent par l'affirmative. Ils ne pensent pas que ça soit une mauvaise idée. Qu'est-ce que ses frères en pensent? Évidemment qu'ils sont tous pour. Cholsan devient ainsi le numéro 8, Chaeyeon la 9, Sobaek la 10. Il comptera sur eux tous à partir de maintenant. Et ils sont sa vraie famille. Jeoka en avait le sourire aux lèvres. Si les bandits étaient au courant des formalités, c'était probablement pour imiter les mysticités du Murim. Au lever du soleil, la grande fortune dirigeait les troupes du sage. Leur heure est venue. Dans la brume matinale, au cœur de la forteresse, Jeoka sortit de son sommeil le plus tôt. Il ne pouvait pas dormir. Même s'il n'a rien montré aux autres, il est excessivement inquiet. Serait-il capable de gagner un combat face à quelqu'un comme le sage Chun-Ji? Non, la question n'est pas là. Il doit gagner. C'est le seul moyen pour eux de rester ensemble. Derrière lui, des pas. De son épée, il interpella l'intrus, lequel hurla de surprise. Jeoka lui-même ne s'attendait pas à ça. Ça n'est autre que le chef. Dieu qu'il avait fait peur à Jeoka. Montait-il la garde? Celui-ci lui confirme. Il souhaitait laisser dormir les autres un peu plus. Le chef demanda à notre héros pourquoi il n'en faisait pas de même.
Celui-ci lui répond qu'il n'est pas du genre à dormir beaucoup. Son silence était lourd de propos. Jioka continuait en lui disant qu'il n'est pas vraiment fatigué. Mais Yeon-cho en restait froid. Subitement, il décrochait une attaque surprise sur le prodige, lequel ne comprenait pas ce qu'il se passait. Que dirait-il d'un combat pour se détendre un peu? Il s'attendait à tout sauf à ça. Mais il n'est pas contre. Maniant leur épée à la perfection, les deux s'amusaient à croiser le fer. Maniant son arme de toute son âme, Yeon-cho s'excusa auprès de Jioka. Mais de quoi pouvait-il bien s'excuser? Il a l'impression qu'il se repose bien trop sur le plus jeune. Et ce, à chaque fois. Mais le jeune bandit lui répond gêné qu'ils sont frères après tout. Au beau milieu de leur combat, le tonnerre d'une voix résonnait. Que les bandits des 5 pics les écoutent attentivement. Les pas de l'armée se faisaient sourds. Yeon-cho ne s'attendait pas à les voir de si tôt. Le sage leur faisait face, accompagné de Sang-Mu-Chun, le leader de l'Union des Marchands de Mansu. Celui-ci hurlait aux bandits d'abandonner la forteresse immédiatement. S'ils s'y refusent, ils n'auront pas d'autre choix que de tremper la montagne de sang. Les inquiétudes du chef étaient ailleurs. Il ne peut laisser Jioka tout faire seul. Celui-ci interpella son chef, qu'était-il diantre en train de faire? Mais il lui répond que celui qui se tient au front doit naturellement être le chef, n'est-ce pas? Il était surpris de voir autant de guerriers. Mais au fond, il ne ressent plus la peur. Mu-Chun l'interpelle d'un air hautain. Est-il le chef? Dans ce cas, qu'il ne s'imagine pas pouvoir leur faire front. Étaient-ils tous pleins de merde? Sang-Mu-Chun, quel pathétique abruti! Il ne pouvait s'empêcher de se moquer de celui qui a dû supplier à la secte de Huidong de lui venir en aide. Croit-il vraiment qu'ils seront assez cons pour fuir face à un vieux sénile? C'est beau d'avoir de l'espoir! Mais il faudrait éviter de prendre la forteresse des 5 pics pour des guignols! Le leader de l'Union était au comble de sa colère, mais Yeon-cho continue son infernale tirade. Même s'il ramène quelqu'un de plus fort encore que le sage Chun-ji, ça leur en touchera une sans bouger l'autre. Ces paroles ramenaient le sourire sur le visage de Jioka. Il était l'heure pour le sage de faire son entrée en scène. Il a peut-être enseigné à son élève de ne pas se perdre dans ses émotions, mais il ne peut laisser un tel respect impuni. D'un cri, il lança une attaque, laquelle notre héros avait vu venir. Il hurla au chef de bouger tout de suite d'ici. De sa simple voix, il avait brisé la muraille. Yeon-cho ayant perdu son équilibre, le sage s'élança. Le tranchant de son épée n'avait plus qu'un mètre à faire. Mais au moment où Bong Yeon-cho sombra dans les abysses du danger, la peur et la pression que Yeon-jioka ressentait s'étaient envolées comme la poussière. Il voulait simplement protéger son chef. Son attaque, le sage l'avait vue. Il évita de justesse ce qu'il aurait envoyé au plus profond des enfers. Il était ébahi par un tel pouvoir. Mais l'heure n'était pas au constat. Leur combat avait débuté. Chun-Ji para du mieux qu'il peut l'attaque de Jioka. Il avait senti passer le coup, mais avait réussi à renvoyer notre héros plusieurs mètres en arrière. Ses muscles tremblaient face à la force du jeune bandit. Celui-ci interpella rhétoriquement son adversaire. Quel genre de personne le sage Chun-Ji est-il? Il a senti un pouvoir formidable à travers son épée. En revanche, il est plus fort. Le sage n'en croyait pas ses mots. Qui est plus fort que qui? Si c'est remarquable pour lui de pouvoir utiliser une énergie d'épée améliora son âge. Sa vanité excède ses prodiges. Notre héros lui répond qu'il n'est jamais vaniteux. En revanche, il est persuadé qu'ils se sont déjà rencontrés. À ce moment, il avait certes senti qu'il était réellement fort, mais jamais il ne serait un adversaire à sa hauteur. Le sage en restait muet. Jioka est soulagé de savoir qu'une personne de son talent est le dit surpuissant sage. Il n'est certainement pas capable de trancher un homme avec une feuille, n'est-ce pas? Celui-ci en hurla de rire. Ce gamin est beaucoup plus intéressant qu'il ne l'imaginait. Il a vu pléthore de talents à travers le Jianggu, mais il n'en a jamais croisé aussi intrépide que le bandit auquel il faisait face. Tous les prodiges des arts martiaux qu'il a croisés ont mis un genou à terre face à lui. C'est parfait. Il lui donnera la chance de prouver son génie. Qu'il lui montre réellement qu'il est plus fort que tous les talents qu'il a rencontré. Le fer de leurs épées foudroyait les cieux. Leur force était absolument monstrueuse. Yeon-cho avait été secouru par Gomyung dans le vacarme du combat. Il demanda au second frère ce qu'il en était du sage. Qu'il ne soit pas surpris. Jioka est au même niveau que le sage. Retombé au sol, Chun-Ji était au comble du bonheur. Qu'il essaie d'éviter ça. Décochant une superbe technique, Jioka était prêt. Et d'un parfait mouvement d'épée, il dissipa la technique du sage. Mais celui-ci s'en était servi comme d'un leurre. Jamais il n'aurait dû baisser sa garde. Il doit toujours penser à son prochain mouvement. Mais Jioka lui répond qu'il n'en est pas si sûr. Une infernale explosion retentit sur le champ de bataille. Leur égalité était parfaite. La première goutte de sueur perlait sur le visage de Chun-Ji. Il n'avait pas exagéré sur sa force. Serait-il possible qu'il soit le disciple du démon destructeur de cieux? Il demanda à Jioka qui est son maître.
Celui-ci, tenant fièrement son épée, la brandit vers le ciel dans le silence de la poussière. Il ne s'attendait pas à une telle réponse, mais en rigolait tout de même. Plus il en voit du jeune bandit, plus il l'apprécie. Il comprend enfin le sens de sa grande fortune. Il n'a pas de doute, l'épéiste auquel il fait face serait en mesure d'apprendre toutes les techniques avancées de la secte de Hudong. Joka le coupe. Il n'a aucune idée de quoi il parle et il n'en a pas besoin. Non, il ne comprend pas. Il va en avoir besoin à partir de maintenant. Notre héros était perplexe. Le flux d'énergie du vieux a changé. La fluidité de son épée. Voilà qu'elle est réellement la parfaite maîtrise du fer d'un sage. Mutun lui-même ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il s'agit là de l'art de la secte de Huidong que seuls les anciens peuvent apprendre. L'attaque ultime. La technique de l'épée mystique de Taiji. Le doute avait pris racine en son âme. Il est encore bien trop tôt pour le sage d'être poussé dans ses limites. Il était prêt. La confiance qu'il avait en sa technique était infaillible. Joka s'était jeté dans l'inconnu. Un instant de surprise. C'est tout ce qu'il fallait au sage pour surprendre notre héros. Qu'il se concentre. Cette vieille épave. Relevant à peine la tête, son adversaire avait disparu. Droit derrière lui, il était prêt à faire rouler sa tête sur le sol. Il ne peut esquiver. Ses frères refusaient de voir ça. S'étant retourné, le tout en esquivant d'un saut, il avait été une nouvelle fois touché. Qu'il se relève. Il n'en a pas terminé avec lui. La suprême attaque se dirigeait droit sur le bandit, lequel l'avait dévié d'un coup. Mais la technique de la secte ne pouvait arrêter de surprendre Joka. Il avait bondi vers les cieux. Toute la troupe des bandits, Chayon en tête, craignait la mort de notre héros. Et il faisait face à la toute-puissance du Jiangu. La suprême offense du Murim s'apprêtait à contester la résilience du bandit. L'impact fit trembler la terre d'une infernale beauté. Sous le voile de la poussière, le sage concédait que cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pu combattre sans se retenir. Il n'avait su contrôler sa force tellement le combat était prenant. Un grondement résonnait. Ça n'en était pas encore fini. Il n'en croyait pas ses yeux. Qu'était-il en train de se passer? Cette vision. Il faisait face au dragon de l'épée inquisitrice du paradis. À l'est de Luoyang, au manoir Waryong, un banquet était tenu. La maîtresse des lieux profitait bien de son temps. Mubek remercie les anciens du clan Yeon pour s'être rassemblés ici. Il a réalisé nombre de choses à travers son entraînement au clan Nangong pendant la dernière décennie. Il souhaite ainsi leur montrer ce qu'il a pu apprendre. Baek Mijo était ravi de son fils aîné. Ses arts martiaux ont atteint les 7 étoiles. Quand bien même il n'est pas aussi fort que son père, ça devrait être suffisant pour qu'il soit reconnu comme un maître. Maniant son épée d'une fluidité parfaite, ses coups étaient d'une beauté sans nom. Les anciens ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient. Ses mouvements, ses techniques. Qu'il s'imagine un monstrueux dragon, lequel use de ses griffes pour trancher la terre. Son dernier mouvement avait relâché une formidable puissance. Rouvrant les yeux, l'ancien ne pouvait y croire. Ce sont les griffes d'un dragon. Tous étaient rués vers Mubek et son génie. Cette scénette avait arraché un sourire en coin à la maîtresse de maison. Son fils avait accompli une merveille. Le sage et l'union des marchands, autant que les bandits des montagnes ne pouvaient croire la vision d'horreur qu'ils voyaient. Le surpuissant dragon céleste s'apprête à ravager ses ennemis. Shenji succombait peu à peu à la terreur. Il était l'heure pour Joka de montrer au monde ce dont il était capable. Il interpella le vieux. Lui avait-il caché sa force? Quoi qu'il en soit, il l'avait bien trop sous-estimé. Il va devoir l'affronter sérieusement à partir de maintenant. C'est incroyable! Il est réellement formidable, oui! Il doit être au moins aussi fort que ça pour l'inviter sérieusement dans ce combat. Qu'il essaie de résister à ça! Notre héros était prêt. De son épée, il ne lui laissa aucune chance. Son attaque était d'un chaos nouveau. La terre volait en éclats avec les restes de la technique du sage. Il ne pouvait accepter qu'une force aussi pure d'insolence puisse fouler la terre du Jiangu. Les griffes du dragon avaient décimé le champ de bataille. Il avait enfin compris. Cette technique n'est autre que... Ne lui a-t-il pas dit de rester concentré? L'offensive de Joka faisait face au manque d'énergie du sage. Ça sera sa dernière attaque. Le coup avait touché. L'un était surpris, l'autre était confiant. Retombant au sol, le sage restait silencieux un instant. Pouvait-il lui répéter son nom? Yeon Joka. Il est le coucher de soleil écarlate. Oh, et il comprend. Lâchant son épée, celle-ci tomba au sol comme il y a quelques décennies face au chef-d'œuvre de l'épéiste trancheur de lune. Il se rappelait d'une telle puissance. Yeon Joka. Il le lui a dit. Chenji venait de s'effondrer au sol.
L'Union des Marchands ne pouvait y croire. Les cinq pics non plus. Jioka est vainqueur. Dans le silence de la surprise, il se retourna en appelant son chef, lequel ne pouvait croire qu'ils avaient gagné. Ils exultèrent tous de joie. Il a réellement gagné. Jioka est vainqueur. Celui-ci surpris avait été attrapé par son chef. Il est réellement formidable. Une nouvelle fois, les cinq pics s'en sortent gagnants. Mutune ne pouvait accepter ce qu'il venait de se passer. Son maître avait perdu. Se relevant difficilement, le chef de l'Union se rua vers lui et lui demanda s'il allait bien. Il est grièvement blessé, il doit être soigné. Il en rigolait. Avait-il vu ça? Lui a vu les cieux au-dessus des cieux. Les dominer? Se débarrasser de ces bandits? C'est tout bonnement impossible. Il faudrait que l'empereur lui-même soulève une armée. Ce gamin, qu'il ne croit pas pouvoir l'affronter. Dans la région du sud de la province des Nan, les rumeurs sur la défaite du sage circulaient. Cela dit, peu arriva à croire qu'un simple bandit des montagnes aurait fait tomber un grand sage des 10 sectes. Mais l'on insiste. Chenji s'est réellement rendu à la forteresse des 5 pics, mais sa mission fut un échec. Non, il ne pouvait croire que cela soit vrai. Ça doit être une fausse rumeur. Mais une voix les interpella. Ça n'est pas totalement impossible. Ce gamin est réellement capable de venir à bout des anciens de la secte de Wudong. Ils lui demandèrent qui est-il. Sirotant son alcool, on pourrait dire qu'il fait partie de ceux qui l'ont affronté. Ses mouvements sont réellement formidables. Reste à savoir si quelqu'un serait en mesure de lui faire face. Il était surpris par les propos de Limurion. Plusieurs personnes se ruaient vers lui. Alors comme ça lui arrivait à lui aussi. C'est un plaisir de les rencontrer. Comment ont-ils perdu? Ils n'ont su résister à plus d'un coup. Mais ils ont entendu que lui a tenu plusieurs rounds. L'Union des Marchands de Mansu a échoué. Après cet incident, il a été admis que personne dans la province des Nan serait en mesure de venir à bout de la forteresse des 5 pics. Pour le bien de l'Union et la réputation de la secte de Wudong, Sang Mutun a fait en sorte d'endiguer la propagation des rumeurs. Mais celle-ci avait déjà envahi tout le sud de la province. Les inconnus au bataillon des 5 pics avaient été propulsés au rang de plus fort des Nan. La défaite du sage a été revendiquée comme fausse. Toutefois, la légende des 10 héros des 5 pics s'est propagée. Au milieu de ces derniers, un nom se distinguait. Le bandit aux cheveux rouges, Yeon Jioka. Initialement interpellé par la discussion, il s'en alla discrètement. Il alla faire un rapport à ses supérieurs. La forteresse des 5 pics ont un artiste martial exceptionnel du nom de Yeon Jioka. Si l'on s'en fie aux rumeurs, ils ont combattu plus d'une centaine de guerriers de l'Union des Marchands, lesquels avaient le soutien de la secte de Wudong. Seuls 10 d'entre eux ont tenu la forteresse. Plus impressionnant encore, ils étaient seulement 10 à tenir la forteresse. Ils se rappelaient vaguement d'eux. Mais n'était-il pas le groupe des 7 branle-couilles d'il y a quelques mois? Ça lui avait arraché un sourire. Il leur avait promis un nom s'ils arrivaient à recruter suffisamment de personnes, mais ils étaient persuadés qu'ils disparaîtraient en quelques semaines à cause des unions de marchands qui les entouraient. Il semblerait qu'ils aient joué d'une chance formidable dans le recrutement. Lorsque leur maître leur a dit de doubler la sphère d'influence de la forêt verte, les 12 généraux démons ainsi que lui-même s'étaient tous opposés à l'idée. S'ils se contentaient d'augmenter les nombres, leur réputation aurait été souillée. C'est pour cela qu'il avait ignoré toutes les requêtes et demandé à rejoindre la forêt verte. Le tout en espérant que ces guignols disparaissent avant le sommet de la forêt verte. Mais n'avait-il pas dit que le sommet se tiendrait à Mansapyeong? Précisément, celui-ci aura lieu dans un mois. Il faudra qu'il aille jeter un œil avant ça. Après tout, il doit s'assurer qu'ils ont les qualifications requises pour faire partie de la forêt verte. Dans le ciel bleu, un oiseau survolant la forteresse des 5 pics avait un message à transmettre. Au pavillon de l'harmonie, l'on supplie le chef de l'épargner. Il n'a nulle part où aller. Il n'abandonnera plus jamais la forteresse. Qu'il se relève. Tremblant de toutes ses larmes et de toute sa peur, il était persuadé de s'en prendre une branlée. Passant son bras droit par-dessus son épaule, il était ravi de le revoir. Il ne pouvait y croire. Mais pourquoi est-il si inquiet? Il était si heureux de voir qu'il croyait en son chef au point de revenir. Les larmes aux yeux, il lui promet qu'il lui retournera sa gentillesse. Gomyung interpella Yeoncho. N'est-il pas un peu trop gentil avec eux? S'il les accepte tous, leur forteresse va avoir l'air faible. Ils doivent accepter uniquement ceux qui resteront, qu'importe les aléas. Mais le premier frère lui dit qu'il était en colère de ne pas avoir été reconnu parmi la forêt verte. Au fur et à mesure de leur expansion, ils avaient des dizaines de nouveaux bastions. Ceux qui sont établis ne peuvent s'empêcher de voir les nouveaux comme des guignols inutiles et ne les reconnaissent jamais comme faisant partie de la forêt verte. Maintenant qu'ils y pensent, il est vrai que personne de la dite institution n'est venu les aider. C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils appartenaient à la forêt verte. Yeoncho était persuadé que ce nom les protégerait, mais en réalité, il ne s'agit que d'un nom. C'est pour cela qu'il ne veut pas placer un tel poids sur les épaules de Jioka. Surtout après un tel incident. Ils doivent être officiellement reconnus comme faisant partie de la forêt verte.
Mais comment pourrait-il s'y prendre? Le chef lui rétorque que le sommet de l'organisation va avoir lieu d'ici peu. Ils leur montreront qu'ils ne sont pas les faibles qu'ils pensent qu'ils sont. Ainsi, s'ils sont reconnus, ils pourront réellement s'allier aux autres forteresses. Et pour réussir cela, ils ont besoin de personnes pour protéger les lieux en leur absence. Gomyung comprenait son raisonnement. Il y a un nombre de bouches à nourrir, et eux doivent travailler plus dur encore. Précisément, il va avoir besoin de toute l'aide du second frère. Très bien, mais où est donc Jioka? Il paraît qu'il est parti à la recherche du vieux sage. Mais passons, qu'en est-il des rumeurs sur leur forteresse? Gomyung lui confie que partout dans la province, les gens ne peuvent s'empêcher de parler des 10 héros des 5 pics. L'oiseau à peine arrivé, l'homme lit le message. Le sage était imperturbable. On lui a confié qu'il devait revenir au plus vite. Quand bien même il a décidé de rester plus longtemps aux 5 pics, si un ancien est absent trop longtemps, cela donnera un mauvais exemple au plus jeune. Et il l'avait trouvé. Chunji constatait qu'il était enfin là. Jioka, quelque peu gêné, demanda au vieux pourquoi il n'était pas encore rentré chez lui. Mais pourquoi rentrerait-il? Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pu jouir d'une pause qu'il compte bien en profiter encore un peu. Mais ce n'est pas le fond de son propos. Pourquoi ne va-t-il pas plutôt à l'Union des Marchands? Mais le sage l'interrompt. Il n'a toujours pas entendu sa réponse, n'est-ce pas? S'il parlait de le prendre comme disciple, il lui a déjà dit qu'il n'est pas intéressé. Mais Chunji lui dit que ce n'est pas ça. C'est plutôt l'inverse. Il a été appelé le disciple le plus puissant de la secte de Wudong. Il était capable d'accumuler de l'énergie interne plus vite que quiconque et a compris l'ensemble des techniques avancées de la dite secte. Cette année marque les 30 ans depuis qu'il a commencé à s'entraîner à la technique de l'épée mystique de Taiji. Mais malgré son entraînement, il n'a jamais été capable de passer les limites des 3 ultimes. Jioka lui demande de quoi il parle. Que sont les ultimes? Chunji n'y prête pas attention et lui dit qu'il souhaiterait apprendre de lui. Le visage de Jioka avait changé. Quand bien même le sage était sérieux, Jioka lui hurle qu'il ne peut pas lui enseigner la technique de tueur de démons puisque c'est Gomyung qui la lui a apprise. Chunji, gêné, lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre cette technique. Il veut simplement apprendre en l'observant. Jioka lui demande comment cela pourrait lui suffire. Mais le sage lui répond que ça n'est pas là ce que l'ultime flot infini signifie. Ça lui sera suffisant et il sait comment faire une offre qu'il ne peut refuser. La force de son coup était si intense que le recul surprit Jioka autant qu'il brisa les bambous. Celui-ci lui demanda comment il avait pu faire ça. Alors comme ça il est curieux, il pourrait lui expliquer mais à une condition. Qu'il passe un marché. S'il lui donne un conseil, il lui dévoilera un domaine dans lequel il pêche. Notre héros est surpris, mais le sage continue. Quand bien même il est excessivement fort, il n'est pas encore en mesure d'utiliser à la perfection son pouvoir. Il est probable que c'est parce qu'il ne comprend pas encore les bases des théories des arts martiaux. Lorsqu'il aura maîtrisé les dites bases, son talent atteindra de nouveaux sommets. Qu'en dit-il? Combattant, méditant, s'entraînant, le temps, ils le passèrent à perfectionner leur maîtrise. Se dirigeant vers la forteresse, ils étaient surpris par des enfants qui jouaient. Le maître fut interrompu par le regard gêné d'un garçon auquel il demanda ce qui n'allait pas. Celui-ci offrit un cadeau au maître Chunji. Son cadeau, il l'accepte et il le chérira. Alors qu'il rejoue avec eux une nouvelle fois à l'avenir, Jioka lui confie qu'il a vraiment l'air proche d'eux. Le sage en rigole. Ne sont-ils pas de joyeux et brillants enfants? Notre héros répond que lui ne peut les supporter. Mais comment peut-il haïr de si jeunes et si innocents enfants? Il ne sait pas de quoi il parle. Les plus jeunes sont les pires. Ce sont des personnes comme eux qui se moquent, harcèlent et humilient les autres. Chunji en restait silencieux. Il lui témoigne que de son point de vue, tous les membres de la forteresse possèdent une formidable bonté, qu'importe leur âge. Il ne pouvait croire qu'une forteresse de la forêt verte ressemblerait à ça. Jioka lui dit qu'il ne s'agit là que d'un endroit parmi d'autres où des gens vivent. Il comprend, il comprend. Il semblerait qu'il ait été victime d'un triste malentendu. À la tombée de la nuit, elle travaillait frénétiquement. Il semblerait que ça soit assez. Elle n'a plus qu'à retourner à la forteresse. Mais derrière elle, une silhouette se dessinait, avançant sa main. Il compte bien l'aider un peu. Elle était gênée d'une approche aussi furtive. Mais lui s'en défend, il n'a rien d'autre à faire que d'aider. Chaeyeon trouve le vieil homme excessivement bizarre. Elle s'imaginait que tous les anciens seraient des personnes raffinées qui ne s'abaisseraient pas à travailler comme cela. Il lui confie qu'il était certainement biaisé, mais son esprit a changé. Elle lui demande pourquoi. Lui-même se demande. Au moins maintenant, il est sûr qu'un endroit comme la forteresse des 5 pics n'est pas le dortoir du malin. Elle est bien d'accord. Leur forteresse n'est pas comme les autres. Ces derniers sont généralement composés de voleurs reconvertis bandits. A l'inverse, la plupart des personnes qui vivent sur les 5 pics sont simplement des personnes qui avaient des difficultés à subvenir à leurs besoins. C'était son cas, elle aussi. Vendue à une maison close. Depuis que le chef a accepté les difficultés et risques qui viennent naturellement par le recrutement de ceux qui ont besoin d'aide, le tout à travers la protection que leur apporte Jioka, leur petit paradis est devenu un vrai havre de paix. Mais pourrait-elle lui dire comment Jioka les a rejoints? Elle n'en est pas sûre elle-même. À vrai dire, elle ne connaît aucun détail de son passé. Mais elle a entendu le chef dire qu'il l'avait sauvé quand il était au bord de la mort. Chunji comprend désormais pourquoi le jeune prodige est prêt à risquer sa vie pour la forteresse. Ça pourrait être le cas en effet, mais selon elle, c'est surtout parce qu'il voit
tout le monde ici comme sa famille. Le sourire aux lèvres face à la beauté des montagnes, il entend parfaitement ce qu'elle lui dit. Sur ce, qu'il se dépêche. Au tréfonds des abysses, un homme succombait au machiavélique pouvoir. Son énergie vitale aspirée, il n'était plus. Tous se tenaient froidement devant leur leader. Il l'a félicité pour avoir atteint le niveau de grand général démon. L'heure est enfin venue. La colère qu'elle a ressentie il y a 20 ans, elle ne l'a jamais oubliée. Chaque jour était une douleur, mais il est vrai qu'elle avait été bien trop impatiente. Toutefois, aujourd'hui est un jour différent. L'empereur de l'épée et les pays de trancheurs de lune, toutes les sectes du Jiangu, ils se soumettront tous à elle, la fée lunaire.